Bonsoir à tous, c'est Zorak, c'est en centre pour une nouvelle saison sur WWE 2K24 Mode Coop de l'univers de la communauté. Et oui, qui dit coop dit que je ne suis pas seul, parce que je suis avec l'inébranlable, l'irremplaçable, l'indéboulonnable, l'indéboulonné, l'homme qui n'aime pas les légendes, l'homme qui n'aime pas les TLC, l'homme qui n'aime pas Matt Riddle, l'homme qui n'aime rien en général, l'homme du bug, l'homme du lag, l'homme du seum, l'homme de celle de Guérin, l'homme de la rage, l'homme de la perversion, l'homme qui devient tout rouge quand il est énervé, l'homme du rage kit, l'homme qui en a ras le cul tout simplement en fait, et qui continue à venir quand même alors qu'il souffre le martyr à chaque fois. C'est moi. C'est moi. Vous avez la ref? Moi je l'ai. Comment tu vas, mon cher Zone? Ça va. Ça va? Ça va mieux, surtout. Ouais, ouais. Comme dirait Wiz Khalifa, it's been a long time without you, my friend. Oh! Oh oui! It's a pleasure, peut-être bro! Parce que non, au final. Et qu'il a failli parachuter au bout de 2 minutes. Merci Aïe pour le resub! Incroyable! Ça commence déjà, merci pour le resub. Loki s'occupera de toi 1 mois de plus, merci. Salut Anzidik, salut Rome, salut Kakagelu. Un appel aux zones dignes de Tarzan. La ref à cauchemar en cuisine, non? Oui, tout à fait. Et le principe d'une ref, c'est qu'on la comprend, donc vous avez pas besoin de la dire en fait. Mais c'est pas grave. On leur en veut pas. Ils sont ignares. C'est notre commu, elle est comme ça. La commu. Oui, c'est vrai. Bah, je sais pas, hein, des fois tu dis qu'ils te préfèrent à moi, alors bon, je me pose des questions finalement. Hein. Bah, ils me préfèrent, mais c'est pas ma commu pour autant. Oh les bâtards! Bon, on se passe tout simplement. On était à Payback. Ma femme et moi, nous étions champions. Nous allons partir pour Fastlane, Royal Rumble normalement, qui devrait se passer dans cette session. Éventuellement Chamber, éventuellement WrestleMania. Tout dépend de si en fait il y a des shows qui sautent parce qu'ils ne nous intéressent pas. Comme 90% du temps. Parce que j'ai eu comme de la merde, c'est autre chose. On risque pas de les sauter vu que tes deux persos sont champions par contre. Oh putain, c'est vrai! Ah, objectif, garder les deux jusqu'à Mania. Salut Lord Pardus. Allez, c'est parti pour la suite. Show suivait. À quand les lives de Juste Zone sur la chaîne de Zorak? Jamais. Bah jamais. Du coup, s'il a besoin de mon OBS. Salut Wolfie. Un jour, il y aura peut-être les lives de Zone sur la chaîne de Zone. Mais... ça. Rome a demandé un truc qui, je pense, ne sera pas possible parce que, en fait, ce n'est pas techniquement possible. Il espère gagner un match aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de ces pronostics, mon cher analyste? Très improbable. Je dirais même plus, Kurt Hennig a plus de victoires que Rome. Yo Zorak, le retour du mode univers de la commu. Bah oui, bah, c'est pas comme s'il était parti, hein. On a fait ça la semaine dernière. Hein. Ou alors c'est il y a 2 semaines. Non, tu l'as viré 2 semaines d'affilée, ça fait 3 semaines. Quoi? Ah ouais. Ça fait ouais. Peu. Désolé, d'où le SB de long time. Yes, yeah, c'est ça. Donc victoire d'Evangeline, on commence avec la session. Avec le victoire de ta femme, c'est pas mal. No contest. Avec 3 matchs et les women. Et Lily Séché qui gagne, parce qu'évidemment, voilà, no waifu gagne, c'est la base. Victoire d'Angel, victoire de Demon Zone, victoire de Rome. Bah voilà, suffisait de le demander. Dans un triple threat en plus, hein, c'est pas un match de clodo. Hein. Franchement. En vrai, ça devrait être un tag team Evan et Algras quand même. Dis-nous ce que vous en pensez dans le chat. La même position, le même no charisme. Y'a rien, y'a vraiment rien chez les mecs. Victoire de Twain, victoire de Matt Zato dans sa rivalité, victoire de Ryan Park dans un Fatal 4-Way, bien joué. Je perds contre Bob, parce qu'évidemment, le pouvoir Bob, du... en rivalité contre le champion. Le pouvoir du twerk en fait, hein, tout simplement. Bah victoire de Astaroth, victoire de Supra. Oh. Vous plaignez. Qu'est-ce que j'ai envie de te faire perdre le titre avec Bob. Ça fait que 2 fois que le live a été annulé, il y a des jeux, ils ont été annulés depuis 1 mois. On va pas en parler, hein. Les jeux n'ont pas été mis à jour depuis 6 mois. No contest, victoire de Evangeline et victoire de Shade et de Lilith qui font en tag team. Pourquoi pas, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Oh putain, on commence à avoir des nouvelles têtes, c'est bien. Victoire d'Astaroth, putain, il est décidément. Victoire de Kelly Dixon, victoire de Vegapacha, victoire de Zone, bien joué à toi. Victoire de Antoine Angel, victoire de Kelvin, de Supra, des. Oh, j'espère qu'Alexander se fait mal. Et victoire de Toto, là j'ai mal. J'ai mal à mon cul, j'ai mal à ma France. Un certain jobber dans notre univers quand même. Hein. C'est ça. Victoire de Faria, victoire de Stephen et de Elisit. Victoire de Elisit et de Ava. Parce que Elisit elle a 2 matchs, frérot, pourquoi pas. Mais Stephen aussi. C'est vrai. Victoire de Ryan, victoire de Itak, victoire de Algras, victoire de Zorak Vos évidemment contre GDG. Victoire de Zo, victoire de Antoine Angel, victoire de Twain, victoire d'Astaroth et victoire de Toto.
Vous avez pas connu c'est quoi du SmackDown? J'ai pas vraiment regardé, faudrait que je le regarde. J'ai vu à peu près ce qui s'est passé, mais j'ai pas regardé. T'en penses quoi du Jacob Solo contre Reigns Cody? Ah, Reigns Cody va gagner quoi, je pense. Mais ça va être si. Victoire de Allison, victoire de Shade et victoire d'Ava. Nique ta mère. T'as sauté le quatrième match? Ah merde, si j'ai sauté, mais j'ai pas fait gaffe. Si, il y avait un tag team Evangeline bon, et Luna Queen contre je sais pas qui. Victoire, no contest, Vega Barra, victoire de Rome, Adam, Zone, Bob contre moi, Demon. Salut Falcons, comment tu vas? Faut que j'arrive à mettre mon perso sur le marché de la commu, sur le marché. C'est un pote qui m'a donné une maquette que j'ai modifiée, mais ce gogol a oublié de mettre le fait de pouvoir republier. Ah merde! J'ai un peu de bol. Zone n'aime pas jouer en gel, on rappelle. Il a du mal avec le moveset. On rappelle que, encore une fois, je défends mon titre. La veine un peu par vous, il va falloir encore que je le défende. Donc là, j'ai deux matchs. Oh, le suage de cul. Vous savez très bien que mon personnage, j'ai vraiment du mal à. Parce qu'en fait, mes finishers et mes spés, c'est des trucs que je kiffe et que j'aime bien. Donc en fait, c'est pas des trucs qui sont censés être. Broken, quoi. Oula. D'accord, merci 2K, l'optimisation au cul. Ça se passe comment là? Oui, c'est bon. Ta gueule Microbe là. Microbe. Ouh, le drop il me fait toujours bander. Hein. Désolé, hein, mais. Ouais, moi aussi. Cette musique elle est bandante. Salut Pépé. Ce serait trop bien de l'entendre dans l'arène de WWE un jour. La vie. Du coup, à quoi un stream cosplay de B1 quand j'aurai les sous, les gars. Faites des dons. Salut, Béboli. Ça va? Bah écoute, très bien. J'ai un petit date ce soir. Un petit date. Oh, ça va, c'est un date vocal parce que pour l'instant on peut passer, on se voit la semaine prochaine, mais au calme, c'est déjà ça. 2K, ma manette. Ah, tu voulais intervenir? Et c'est moi Angel. Oui, je sais. Ah, tu voulais passer, passer l'entrée? Ah, je peux pas passer. Non, ouais. Non mais tu sais, des fois les entrées elles veulent pas être passées. Non donc, mais je crois que c'est surtout ma manette qui est peu connue, mais c'est pas grave. Ah elle s'est déconnectée, bon on la reconnectera, c'est pas grave. Bah je sais pas, j'ai réussi à me mettre dans le match. T'inquiète, laisse Touquet par sec, il y a les deux. Oh oui. La musique qui ne va toujours pas au perso. Ta gueule. Les deux sont stylés, hein! Mais ça va. T'as joué des persos tout au long de l'aventure, oui! Tout au long du mode univers, on en a rajouté plein, ouais. Je vais avoir le Mevotendo. Bah, le problème en fait, c'est que pendant ton Mevotendo, je serai en date, donc. Ça va être un peu compliqué. Je regarderai la rediff, t'inquiète pas. Je regarderai le rediff. Il dure 7 minutes. Ouais, mais c'est en plein pendant mon date. J'entends mon Mevotendo, c'est à 20h30 et mon date, c'est à 20h. Mais je regarderai après, t'inquiète pas. J'avoue que celui qui m'avait fait, je crois que c'était Sacha, tu sais, il m'en avait fait un à la gloire de Zorak Vos, elle était vraiment pas mal, j'hésite à peut-être changer. Hein. On verra. Elle allait encore moins avec ton perso. Mais... Non, bah non, parce que c'est à peu près la même vibe de musique. Allez, c'est parti. Est-ce que je perds mon premier match? En plus, mon premier match, c'est vraiment genre mon titre de mon perso principal, quoi. C'est genre vraiment bonjour, on te met les pieds dans le plan, enculé. Ah merde, oui, ta manette, pardon, excuse-moi. C'est une manette. Bah si, t'es bon. Non, mais là, ma manette n'est plus reconnue. C'est ok, attends, je vais te décorer au code par sec. C'est quand même fou, quoi. Kick. J'ai réussi à me connecter. Vas-y, reconnecte-toi.
pendant le match, ça a décidé non, non, va te faire foutre. Ça va faire ça pour les tomber, tu sais, ça va parler chinois après. Appuie sur ta manette, viens pour voir. C'est bon, elle est connectée, c'est bon, je le vois. Hop. Excusez-nous, chat, hein, c'est toujours les problèmes 2K dès le début. Hop, c'est bon, normalement. Attends, on vérifie, okay. T'as la manette, c'est bon. Ok, let's go. Bah, j'en sais rien, moi. Oui, c'est bon. Olé ! Oh merde, ça commence bien. J'ai pas rejoué depuis. Quelques jours. Toi, ça fait 3 semaines. Oh, c'est bon, ma soirée est bien de victoire. Mais bien. Oh putain, bien joué. Oh là, je peux me faire rosser par un mec qui a pas joué depuis 3 semaines quand même. Je pense pas, mais. Un homme dans la merde. Tu fais un match de Cena. C'est vrai, c'est vrai. C'est toujours ça mes matchs. Je commence mal et après je reviens bien. Voilà, là c'est bon, on revient. Ouh, j'adore ce coup de genou de Triple H, il est incroyable. Hein. Aïe. Salaud. Tiens. Plus. Oh. Magnifique, magnifique. C'est quoi le concept du live? Tout simplement, c'est un mode d'univers sur 2K24 avec les catcheurs d'un commu. Et sans coop, tout simplement. Bon, par contre, zone arrête de casser. Tu peux me casser. En marave l'un contre l'autre. Mais putain, on appelle ça de la coop parce qu'on est deux. Oui, voilà. Oui, ils ont été gentils, me l'ont donné celui-là. Je suis vraiment pas dans mon match. Hein. Je commence à pas kiffer aussi le moveset de Angel. C'est que des prises que j'ai pas l'habitude de voir. Oh merde. Oh putain, bien joué. Bien joué. Ça y est, Snipez. Oh, bien joué, Spinebuster contré. Oh. Non, quoi, mais, oh non, non, commence pas. Commence pas, pas, toi. Legit, j'ai pas fait exprès. Commence pas. T'as vu de ma mère. Tiens, dégage, espèce de salaud. Malade celui-là. Oh putain, mais. Oh, mais ça va les comptes de Sergi, mon gars Ouais. Oh putain, mais. Je vois pas de jour dans le match. Attends, faut que je me mette en. Attendez, faut que je me mette en position. Position tryhard. C'est bon, je suis en position tryhard. J'arrive pas. Oh la vache. Je me fais juste dégommer. Attends, par contre, je sais pas comment tu fais pour pas me prendre le coup là. Spinebuster! Allez, on y croit. Pas du tout. Franchement, j'y crois pas. Oui! Salut Tuxio! Tuxo! One! Two! Attends, finish. Je suis en train de me chier dessus. J'ai peur. Hein. Ton finish en plus est un peu chiant à contrer, je crois, si je me souviens bien. Non. Quoi? J'ai tapé prise! La bite! La bite! Non, par contre, la bite, je suis désolé là. Par contre, on est d'accord que j'étais en pleine prise là. Il y a un boîtier, ouais. Le jeu, il a dit non. Nique ta mère! Oh putain de sa race! Je suis en train de. Je suis vraiment en sueur! Oh, j'arrive pas à mon leg drop! Hein. D'accord, ça va, tu t'envoles? Ricochet! Wesh! Wesh!
Oh la vache, c'est une prise normale, je galère autant maintenant. Je veux pas que tu gagnes pour que tu gagnes ton date de soir. Mais c'est pas un combat le date de soir là-bas, c'est censé être un bon moment les gars. Je dis bien c'est censé hein. Oh l'enculé. Putain. Ah c'était ton spé, putain incroyable. Quel début de session! Je suis un enculé de champion de transition. Le non-respect de l'arbitre par contre. Ah ouais, bah c'est OJ, ils sont morts là. Franchement, j'ai zone. T'as défoncé le match. J'ai rien vu venir, j'ai rien pu faire. Mais tu vois, j'ai fait tomber sur le move classique parce que je trouvais magnifique le move de la troisième carte. Ouais, le spay incroyable. Ah oui, ça, oui, ça aussi, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est Hollywood Hulk Hogan en fait. La célébration. Oui, je sais, mais. Ah putain. Mais le spay, il faisait très finish quand même, donc oui, oui. Ça allait. Putain, je vais me faire éclater. Voilà. Dis-toi, tu viens de me niquer. Ouais, mais je viens de me niquer ma chance au titre. Pourquoi? Bah parce que j'étais en rivalité avec Bob contre toi. Bon, ouais, pas sûr de ça. Oh le match. Match inutile. Oh la tristesse du match. Oh, alors je pourrais être méchant mais y'a rien qui m'intéresse en ce pay-per-view. Hein. Bah on skip. Alors victoire de Valentin, victoire de Supra, victoire de Zone, bien joué, ta team, Demon Zone et Evan. La team de gagnant victoire de Kyle, je perds contre Bob évidemment parce que je suis une salope, victoire de Stéphane et d'Alexa, Antoine retain. Salut Squadro, merci pour le follow Twitch, on est pour t'avoir sur Twitch for live de la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, merci à toi. Et victoire de Matsado dans un last man en main event, pourquoi pas. Victoire de Alizit, victoire de Evangeline et Shade, victoire de Alexa et victoire de Avastorm. Putain, il y avait un match il n'y a pas eu les women. Oui, c'est vrai. Oui, mais parce qu'il y a une rivalité avec les championnes, justement. Victoire de Evange, de Antoine, victoire de Lilith, victoire de Ryosuke, Demon Zone, Astaroth, Bob, Valentin, Zone et Tanaka Kirite. Décidément, Zone, t'es chaud dans cette session, hein. Ouais. C'est pour toi. Hein. Victoire de Yokat, victoire de Lilith et de Teresa, victoire de Alexa, victoire de Stephen. Mais le problème, c'est que vu qu'on a créé une branche féminine. En fait, il va y avoir que des rivalités tag. Et en fait, du coup, les championnats vont jamais être bookés. Il va falloir supprimer les tags, je pense, dans les weekly. Victoire de Valentin, Bob, Ryan, Tanaka, Kelvin, Twain, Zorak, putain, enfin, Antoine et Itake Ryusuke. Oh, Luna, victoire de Alizit. Victoire de Evangeline Shade, victoire de Alexa et victoire de personne. C'est un nouveau catcher, il est incroyable. Victoire de Valentin Dizzy, Bob, Ryan Parks, Mazzato, Justin, Devon et Astaroth. C'est quoi les mecs de gauche? De Twain, ah non, Antoine Angel, à droite et Luke Jackson. On est loin d'un pay-per-view d'ailleurs? Non. Ah, il reste un mois. Non, un mois entier. Oh. Si je perds... Victoire de Alison Hurtiel, Lizit, Stephen, Teresa. Tu sais qui c'est Lola? Non, Lola TN? Je sais plus à qui c'est. De mémoire, c'est celle de Rome. C'est la meuf de Rome? Rome, c'est ta meuf? Je suis pas sûr. Ah, peut-être, hein. Mais je suis pas sûr. J'ai bien peur de devoir refaire mon perso de A à Z pour t'envoyer MDR. Tu live pendant combien de temps? Je pense qu'on live pour la session prochaine. Ouais, c'est sûr. On télécharge pas pendant les sessions, on télécharge entre les sessions. Ah, Rome il est choqué, il a 10 watts, donc je pense que c'est lui. C'est une belle. De quoi c'est une belle? Ah, c'est une belle soirée, putain, oui. De fou. Le mec il gagne avec Rome et après il a un match de titre. Bon, là tu gagnes pas, mec, impossible. J'ai ma carrière Twitch, si je perds. Je pensais pas gagner avec Lola. Voilà, j'ai tout raté. Avec Antoine. Antoine n'aurait pas dû gagner, t'as juste été nul. Bon,
on va pouvoir passer vite, hein. Cette musique, c'est pas une musique créée, donc on s'en fout. Hein. Mais j'en ai une pour Lola de musique créée. Ah bon? D'ailleurs. Ah ouais? Ouais, il me semble. Je crois que tu me l'as pas envoyé. Parce que j'ai créé un bail. Ah ouais? Non, je l'ai pas envoyé parce que j'ai créé un bail et que. Ah. Attends, elle est où ma bague? Elle fait le truc avec la bague quand elle a le titre? Non, elle le fait pas parce que c'est pas les mêmes entrées. C'est une autre. Ouais, c'est... Je m'en fous, je la mets quand même. N'oublie pas de l'enlever avant de jouer. Oui, sinon je fais galérer avec la manette. Uncockable. En charisme, Zorak va gagner. Bah déjà, Zorak avec ce personnage là a des meilleurs spé et des meilleurs finishes. Donc déjà, il y a plus de facilité. Oh arrête Non, en vrai, franchement, faut être réaliste, il a un meilleur moveful. Ça me fout le plus compétitif. Oui, mais tu m'as mis spé finish. Oui, mais je t'en ai mis qu'un. Ouais, mais après, toi, tu m'en as mis qu'un aussi, Tchak. Mais ce que j'ai, ouais, j'étais vraiment trop dans la merde dans le match d'avant. J'ai trop mal géré le début de match. Allez, sorti. Si je perds mes deux titres dans les deux premiers matchs, je me coupe une couille. Ça me cassait les boules. Allez, sorti. Commence mal. Commence mal. Allez. Bon. Tiens. La petite. Ça. J'ai pas le timing de la charge à la con là. C'est tellement ridicule et tellement moche. Ah bah écoute. Ah, j'ai cru que t'allais faire DDT au moins. Dis-toi que si tu perds ton deuxième titre, le karma va frapper et te donner un bon date à la place. Putain, mais je lis le chat. Mais je suis un con. Pourquoi je lis le chat? Tu lis lisse. Je vais rouler encore plus lentement. Ouais, t'es fou. The champ getting put on the back foot here. Yeah, but too soon to be worried. Oh la vache, comment tu m'as balancé, frérot. Normalement, je me suis coupé en deux là. J'ai fait une équerre, frérot. Angle droit. Ah, c'est bon, on peut revenir. Mais si. Voilà. Écoute, tu regardes SmackDown, pas encore Sacha, faudra que je regarde. J'ai pas regardé en détail. T'as bien les mangas? Oui mon cher Pity, évidemment. Ouh. Oh putain, le combo il est magnifique la vache. C'est vrai. Allez hop. C'est bon, maintenant elle se réveille. Bien joué. T'as gagné Naruto bien évidemment. Naruto. Ouais, Naruto, c'est une super pub à la télé. Magnifique. What? Hein? C'est quoi cette baisse qui vient de se passer là? Regardez-moi ce mec qui joue strat là. Ça joue. C'est quoi le synopsis de Naruto? C'est un mec qui a crevé sa bagnole. Ça fait pas super spé, je trouve en vrai. Hein. Voilà, ça fait très prise normale. Ouais, voilà, c'est ça, ça fait pas spé quoi. Let's go. Non! Et t'es en train de bouffer un truc à côté ou enculé là? Non. Je sais pas, on entend des petits cric, 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 comme si t'étais en train d'ouvrir un paquet de gâteaux là. Non.
Ah putain, pardon, pas. D'accord, ok. Bon, on va dire que c'est gentil parce que le jeu m'a baisé. Mais d'accord, j'avais fait l'attaque en courant. Non, mais je suis en train de courir, fais l'attaque en marchant. Mais le jeu. Mais le jeu. Non, mais c'est. C'est même pas la même musique. C'est même pas la même musique. D'accord. Je viens de me faire baisser 4 fois en 3 secondes. Je cours pour aller dans le coin, il m'envoie à l'autre côté. Je cours pour aller dans le coin, en bas il m'envoie en haut. Je demande de faire une prise, il me la fait pas. Je demande de faire un finisher en courant, il me fait le finisher en marchant. Bah le finisher debout. Le jeu m'a juste baisé, littéralement. T'as peut-être perdu ton énergie au moment où t'as voulu faire le finisher en courant. Non, non, j'étais full énergie, la barre est pas commencé à apparaître. Non mais t'inquiète, non mais c'est bon, j'ai compris que le jeu il a envie de m'enculer ce soir, allez vas-y. Ça, jeu de merde, je sais pas pourquoi je joue à ce jeu de con. Jeu de con fini à la pisse là, comme on parlait des après, vieux jeux de merde là qui sont chaque année là. Ferait mieux de faire un vrai jeu là au lieu de faire chier son monde. Moi, il y a mon coup quand même de la troisième corde qui t'a totalement mise pour aucune raison. Ouais, bah après toutes les conneries qu'ils m'ont fait juste avant, encore heureux. Bah, bon. Juste avant, j'aurais pu contrer, tu vois. Victor pour Valentin, Victor pour moi, Ryan Park, Vazato, Bob, Antoine, Kelvin et Zone. Vous allez voir que je vais gagner tous les matchs avec les personnages dont je m'en bats la race et dès que c'est les miens, je gagne pas. Santos Torres, c'est risqué. Ça dégoûte. Victoire de la pute là, victoire encore de la pute, victoire de Lys et Teresa, victoire de la pute. Elle, voilà. Elle était dans le match. Frérot, attends, 3 matchs. Non contest, star de Bob, Ryan, Teddy, je m'en fous. Justin, Valentin, Starot, Supra, Paranoia, voilà. Et après, c'est moi le mec salé quoi. Je t'emmerde. Je me suis littéralement fait baiser, mais les 2 matchs par le jeu, c'est bon. Dans le premier, j'ai juste été mauvais. No contest, Teresa et Lola, super. Antoine, Ryan, Kelvin, Mazzato, Zorak, Antoine, Toto, Supra, Devon. Nos comtesses, Alexa, Teresa, Ava. Non, Stéphane, pardon. Alexander, nos comtesses, Zone, Valentin, Devon, Bob, Allison, Alexa, Kelvin, Ryusuke. Donc, du coup, les meufs vont pas défendre. Salut Zerka, évidemment que je me souviens de toi, oui. Aucun intérêt. Oh là zéro. Là, le meilleur vu avec aucun match de titre. Let's go, okay, on board. Rius qui est à grâce. Tu sais quoi, je m'en fous, j'ai même pas envie de lire les résultats. Oh, putain, on a 2 mois sans show là, vraiment. Tu sais quoi, en vrai, là franchement, on va juste passer s'il n'y a pas de match de titre. Tu joues encore pour Make a Wish? Non, Make a Wish, c'était juste un week-end. Pas déconner. Bah, on skip, c'est un sweet edge, aucun intérêt. Oui, parce que tu sais que tu vas perdre. Voilà. Ok, je suis toujours avec Alex, je sais pas pourquoi, hein, mais. Salut SCTN, comment tu vas? Je crois qu'il aura le droit à sa musique, Astaroth. On va pas du tout parler de la conversation qu'on a eue avant la session par rapport à ce perso. Absolument pas, non. Ah, j'ai un tomate, let's go. Échanger de pseudo, c'est moi Pignon. Ah, bah écoute, re-bienvenue. Ok, j'enchaîne quelques petites victoires quand même, c'est cool. C'est ce que je veux dire, tu te remets à gagner. Bon, désolé pour ceux qui... Mais désolé pour... Oh, j'en ai rien à foutre. Désolé pour Seven qui normalement doit faire les stats, mais flemme de lire tous les gagnants. Nique sa mère, ça fait chier. On va dire que c'est session 100. Oh, c'est la session de reprise. Ouais, ça. C'est ça. Il n'y a aucun match de titre, hein, c'est chaud. Allez, Vince McMahon, arrête de bouquer, tu fais chier. T'es ouais, mais comme ça, on pourra aller jusqu'à WrestleMania. Seven qui vient d'envoyer, t'inquiète, moi aussi, je l'ai fait. C'est Zorak, tu penses quoi du segment Reigns, Bloodline et Cody?
Je l'ai pas regardé. Il a pas vu. Si, ah, c'est, ah, si, ça j'ai regardé, ça j'ai regardé. C'était. Bah écoute, c'était. Ouais. C'était, ça existait quoi. C'est ce que je peux dire. Le match. Oh, y a des vannes. On le met en Fatal Four. Par contre, on le met en Animation celui-là. Oui. Osef Thiers, le match. Ah ouais, le match imminent là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, attends, personnaliser le match. Match personnalisé, Fatal Four, ouais. Mais du coup, ouais, non, je suis pas trop d'avis sur le match. Bah écoute, ça va être un match sympa. Il y a un build-up plutôt cool, même si je trouve encore une fois que Cody est mis sur le second plan. Quoi. C'est pas vraiment lui qu'on. On skip jusqu'au Rumble. Tu veux pas faire le premier match? J'en ai marre de voir Sturi. Mais Sturi, c'est le GOAT, frérot. Bah, c'est Angel qui retain. Je mets évidemment, vous savez, hein, comme. Comme vous connaissez, on va mettre le truc pour Twitch parce que plutôt qu'on s'en branle. Modifier match, partialiser participant. Option, participant, je regarde juste. D'accord, il y avait des catcheurs qui ont rien à foutre là. Je sais même pas comment ils ont fait parce qu'ils sont même pas dans les personnalisés en fait. Chaud. Ok, tenue 1. Salut Purple. Alors lui il dégage. Excusez-moi chat, on est obligé de changer. Vous pouvez voir juste en dessous les catchers qu'on enlève hein, d'ailleurs. Hop. Putain mais le jeu il est pas censé normalement pouvoir de base se dire tiens je rajoute tous les mecs En fait je suis con, faut que ça hein, que je fasse aléatoire parce qu'en fait 90% des catchers seront là de toute façon. Parce que je crois qu'on a un chiffre pratiquement pile, non? Y'a pas une connerie comme ça? Si. Attends je regarde. Ah putain. Gâche, toi. Faut quand même faire aléatoire parce que. Oui, faut faire aléatoire. Aller, oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais. À la tronche. Je fais moins aléatoire que basique, quoi. Voilà. Alors, Brian, non. Ça dégage. Souris. Mais. Je fais. Il y a des catchers en moi ou. Non, c'est moi qui suis court, d'accord, c'est génial. Je suis obligé de regarder parce qu'en fait, vu que je sais même pas lesquels sont mis et qu'ils les montrent même pas, je suis obligé de vérifier à chaque fois. Mon perso est parti disparu pour gagner le Rumble. C'est jamais, hein, peut-être qu'il va rentrer, il va tout gagner. Hein. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Je t'annonce, ça va être compliqué, mon cher ami. Pas envie de spoil, mais oui. Ça va être chaud. Le perso de qui? Le perso de Rome. Ah. Ça va être très chaud. Oh, ouais. Ça vous mène ça le titre, de quoi il se plaint? Yo, j'ai un souci, je peux pas avoir le mode online. Faut que tu relances le jeu. Si mode online ne proc pas, il faut relancer le jeu. Ça arrive des fois. Parce qu'il n'y a pas une mise à jour qui s'est bien installée, ou parce que ça casse les couilles. Ok. Peut-être parce que le jeu est codé avec le cul. Ça me demande d'avoir le club. Oui, bah faut. Oui, parce qu'en fait, il faut accepter les conditions d'utilisation comme dans tout jeu vidéo. Tout simplement. Alors attendez, parce qu'il faut que je regarde qu'est-ce qui a pas été mis. Ok. T'inquiète, même moi aussi j'ai la flemme. Ah oui. Il y en a, ils vont se cacher sous le ring. Ah putain, une idée. Ah, il y a une idée là-dedans. Cache-toi sous le ring, tu te fais pas éliminer. Hein. Après, je suis pas sûr que tu rentres dans le ring non plus, mais. Je crois qu'on est bon, on est bon. C'est parti chat pour le Royal Rumble Watch. Appuie sur play et ne regarde pas l'écran évidemment mon cher Zone. Bon évidemment tout est spoil du côté de TikTok mais bon hein, on n'a pas d'affichage de ce côté là. Il y a moins le côté surprise. C'est bon ou pas? Non pas encore, pas du tout. La barre vient à peine de commencer. Oui mais est-ce que... Oui mais est-ce que oui, moi j'ai appuyé, t'as loqué, oui, c'est bon, allez hop, c'est bon, maintenant je peux regarder. T'es prêt pour mettre la caméra rampe? Ouais. Et oui, joueur du grenier. Sinon fais comme je sais plus qui, utilise un corps si tu sors pour pas te faire éliminer. Ah oui, tu marches sur un mec. Bah je l'ai fait mais on peut pas les accepter, peu importe combien je refais ou si je ferme le jeu. Oh. Bizarre. Normalement t'es censé les sectionner et dès que tu les quittes ça les valide. Je pense que c'est mon catcher méritait de gagner le Rumble vu qu'il catch rarement ou sinon il perd quasiment à chaque fois. Oui donc il mérite pas quoi.
Ça y est, Benoît. Il perd tout le temps, il mérite ton le rappel. Bah non. Ton catcheur, c'est pas Cody Rose qui sort de l'AEW. Tanaka? Non, Twain. Ah oui, putain. J'aime tellement les jeux de catch, il devrait juste faire plus de stipulations de match. Ouais, ouais. Après, ça arrive, chaque année, souvent, ils en donnent de plus en plus. J'ai pris les deux jeux standards sans la version Deluxe ou SMEA, ça joue pas dessus. Bah non, t'as pas besoin d'avoir la version Deluxe pour avoir le online. Hein. T'imagines les trucs horribles. Allez, c'est parti. Bien. Attention, roulement de tambour. Voilà pourquoi il se ligue en par Rumble. Par contre, s'il est, si il joue sur console, il a besoin de l'abonnement de la console pour jouer online. Ah, peut-être que c'est ça. Est-ce que tu joues sur PlayStation et tu as le PlayStation Online? Je sais pas comment ça s'appelle en vrai. C'est le PS Plus, non? PlayStation Plus. Ah, PlayStation ouais. Plus, ouais. La musique est stylée, ouais. Tiens, mais on dirait une musique de Zumba là. Attends, il est ambiancé là. Zumba Café, oh. Café Carnaval. Il m'a demandé s'il y avait une musique comme ça. J'ai fait une musique comme ça. Et c'est une musique un peu comme ça pour Lola aussi. Allez, c'est parti. Jusqu'au bout du sort. Alors attendez, option. Présentation. Oui, mais présentation. Caméra rampe. Caméra rampe. Activée, désactivée, désactivée. C'est parti. Pour le Royal. Quoi? Oh, le début de fou. Incroyable. Le DDF, début de fou. Attention, toi et Danny qui vient de sécher le petit Rom. À ne pas sortir de son contexte cette phrase. C'est du Rom arrangé ou du Rom des Antilles? Oh. Attends, mais c'est des IA du coup. Ouais, on est en IA là pour le truc. Oh, le GDG. Gunther a failli gagner alors qu'il était premier entrant, donc ouais, mais c'est Gunther quoi. Te compare pas à Gunther s'il te plaît, Rome. Et puis c'est Touquet surtout. Oui. Oh là, le JDège qui balance Rome. Oh là là, JDège qui essaie de virer des Rome. Désolé. Ah bah, c'est dans le perso. On va l'arrivée de Supra Seven. Bon, tant qu'on rentre pas dans les 15 premiers, tant qu'on est dans les 15 premiers, malheureusement, on peut se dire que c'est pas winnable. C'est peu probable, ouais. Ouais. Quand j'y pense, bientôt la fin de John Cena. Ouais, bon, pour moi, ça fait longtemps qu'il est terminé. Hein. Moi, quand il a dit, ah, c'est bon, j'annonce ma retraite, j'étais en mode, t'es pas déjà en retraite. Ah, Supra, il arrive, finisher sous JDG. Allez. Ah, mais let's go. Toute vanne sur moi avec mon pseudo et t'autoriser en fait. T'inquiète, hein, même si t'es pas donné l'autorisation, on s'en battrait les couilles. Hein. On est arrivé de. Ah, il prend 8ème. Trans avec sa musique, elle banger aussi hype. J'ai envie de la réécouter, moi, la musique de hype maintenant. Aïe aïe. Mais c'est plus ça qu'on connaît, bah comme 90% des catcheurs qui font des retours en fin de carrière. Hein. Mon catcheur préféré, c'est le Miz. Et Zone, c'est Dolph Ziggler, non? Ouais. Ouais. Triple champion du monde dans trois compagnies différentes en même temps. C'est ça. Allez, de Justin MMA.
Alors je suis désolé, mais il y avait vraiment pas loin de mettre un coup dans les balls là côté hype sur son frein. Bah, c'est normal, c'était le Shattered Dreams de Goldust. Zorak, tu peux mettre ta caméra en haut à droite? Non. Parce qu'il aime pas le haut à droite. Il est raciste de ce corner là de l'écran. Non, parce qu'il faudrait que je bouge tout, qu'il faudrait que je remette à jour mon tous mes paramètres et que je rechange aussi sur TikTok, ce serait trop chiant. Voilà. Ah si, j'espère que je ferai plus d'éliminations dans ce match, même si je perds. Eh ben, on sait jamais, hein. Alors, on va être paranoïa dans le match. L'homme qui a eu trop de matchs pour le titre télévision. Il a fini par l'avoir, hein. Ah ouais, pas longtemps. Plusieurs fois même, hein. Pas qu'une. Hein. Par oh, contre, magnifique. Faudra penser à éliminer des gens, quoi. Ouais, bah, je voilà. crois que Rome va lui dire au revoir, hein. Arrivé en deuxième, il est en premier. Salut Rome. Voilà. Quel plaisir. Merci Hype. Merci Rome d'avoir été présent. Le jobber jusqu'au bout. Ah non, ça c'est le jobber. Le jobber originel, le premier gagnant du Rumble de l'univers. Est-ce qu'on va avoir notre premier double winner de Rumble? Non. Jamais autant pour speedrun une création de perso, je crois. J'ai fini, ah bah bien joué. Oh bah ouais, j'ai gagné deux matchs, mais le reste, c'est logique que je gagne pas de titre. On est d'accord. Tu es en train de commencer à te développer. Prends le temps. Or que Lola. Or que Lola, ouais, non mais elle s'est développée, mais... Avec le fameux stompé dessus, trop violent, lui, oui, le stompé vénère. Tu vois ce que Supra va... Supra élimine Yoshi déjà. Parce que c'est un jeu de merde. Vous avez compris la ref? Incroyable. Bon bah deux éliminés déjà. Et on peut remercier le bot qui vient de ban un connard. Let's go. GG bot. Et la Veta Daka. Ah, même le bot c'est un meilleur modo que moi. Meilleur que moi aussi, hein. Ouais mais toi tu fais autre chose. C'est vrai. T'as déjà été aux US pour voir un show? Non, j'ai été en France pour aller voir un show. Backlash. Comme marqué sur la chaise en arrière-plan. C'est bon lire. C'est vrai. Jolie prise de la part de Tanaka sur Twin Daddy là pour le coup. Très beau. Oh non, Paranoia. Et non, Paranoia n'a pas réussi à éliminer Hype. Bah non, la Hype n'aura pas le dessus sur la Paranoia. Attention, qui va rentrer dans le ring en 10ème position. Wade. Qui a gagné. Oh, élimination de Tanaka. De Justin MMA, pardon. Parfois, Twin Daddy. Walid, il a pas déjà gagné un Rumble d'ailleurs. Un Money in the Bank. Oh, il a gagné quelque chose. Il a gagné un truc. On sait plus, mais il a gagné un truc. Oh. Tanaka qui fait une soumission sur Hype. Mais c'est. Certainement rien. Vous connaissez tous les catcheurs. Bah là, les catcheurs, c'est ceux de la commu, donc on les connaît. Un minimum. Moi j'ai hâte que mon chouchou arrive. Mon poulain. Notre poulain, j'ai envie de dire, parce qu'on l'adore tous les deux. Non. Glob. Non, ta gueule. Jackson. Oh yeah, Jackson. Spoil pas. Ils n'ont jamais encore entendu la musique. Élimination de Supra. Mais si, ils ont déjà entendu la musique. Ouais, mais très peu. C'est attention, vrai. Est-ce que Tanaka Akane va se faire éliminer par Twin Daddy? Non. Twin Daddy qui est quand même à deux éliminations. Hein. Ouais. Trois. Il est éliminé. On arrive de Kai Nixon. Ah, musique aussi dingue. Sur Hype qui se tape avec Evan, Kay Nixon qui se tape avec Twin Daddy, Paranoia qui se tape avec Wahid. Wahid est éliminé. Paranoia. Oui. Attention, est-ce que Evan va se faire éliminer par Hype? Et oui, avec un magnifique Chuck Slam on the apron. Ah non, même pas. Direct par terre. Oh, et Kay Nixon qui va se faire squasher. Éliminé. Oh là 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 là. Le nettoyage. C'est encore mieux qu'avec du. Il y a deux joueurs dans le ring. Et à Twain. Ah ouais. Un finish qui a été claqué sur Hype. Attention, est-ce que Hype va se faire éliminer dans la foulée? Oh le combo. Oh le combo. Oh le combo. Oh mon dieu. Twain Daddy, première entrée, 4 éliminations. Hein. Eh oui, mais c'est ce qu'il est fort, Twain. Comme quoi c'est faisable. C'est vrai. Il est arrivé de Vekamara dans le ring.
Avec un move incompréhensible de la part de Tonelli, mais c'est pas grave. La soumission qui ne sert à rien, il faudrait peut-être apprendre à paranoïa les règles du match. Bah, la soumission, ça vient de la vie. Oui, mais bon. On a l'impression de voir, Macho Man qui fait le tomber sur Yokozuna, quoi. Et l'arrivée de Zone en 13ème position. A-t-il ses chances de gagner le rematch cette année? Non. Je suis Moody. Je suis le 13ème, je suis Moody. Voilà, éliminé par Tanaka dès le début. Non, ça va. Au moins, j'ai fait 2ème élimination, ça j'ai pas mal, c'est vrai. Oh. Et Megamara éliminé. Oh là 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 là. Mais paranoïa à deux éliminations. Il y a une coalition Twain Daddy paranoïa là dans le ring. C'est scandaleux. Hein. Oh là là, la spire dégueulasse. Ils se tapent pas en fait. Ils sont en team. C'est Golden. Et l'arrivée à Santos Torres. Est-ce que Santos Torres va réussir à tirer son épingle du jeu? Attention, il envoie Twain Daddy. Qu'est-ce qu'il fait, se touche la nouille? Eh ben il a peur. D'accord, c'est pas grave. Ça arrive, on peut être paralysé par la peur. C'est volé, ah ok. C'est volé qui s'est transformé en Golden. Mais pourquoi faut changer tous de pseudo là? J'en sais rien. Oh, magnifique Future Shock Dignity sur Zone. Ouais, oh, vache, le drop kick. Et l'arrivée, oui. On n'a pas pu avoir toute la musique, j'allais mourir. Arrivé de mon bébé, Luke Jackson. Ah, Luke Jackson, il va gagner. Vas-y, 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 Luke Jackson. Il est vachement grand, Luke Jackson. Oh, Luke Jackson qui a défoncé Santos Torres, c'est magnifique. C'est beau, c'est incroyable. C'est bon, Mok qui joue. Oh là 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 là, quelle prise. Donc Zone fait un peu de clean-up dans le ring quand même. C'est hein. Ça. Et l'arrivée de Adam, l'ancien champion world qui avant, chamber, le chamber. Élimination chamber. À sa première session. Genre le mec trop chaud. Le taureau, El Torero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lui, c'est Jackson qui est en train de se demander où il est en fait. Hein. La combo cérébrale qui arrive dans pas longtemps. Oh putain, le pile driver. Oh, il était vénère sa mère. Hein. Et toi, il y a des lunettes par Zone. Zone qui n'a pas fait une prestation humiliante. Et Bob qui arrive dans le ring. Oh, imagine Bob, il t'élimine. Ce serait très drôle. Ce serait très très drôle. Par contre, Bob commence à arriver. Et c'est place. Paranoïa, c'est possible de gagner. Hein. Oh, et Paranoïa m'élimine. Eh, hey, t'as au moins fait une élimination. Tu as sauvé l'honneur cette année. Parce que oui, et puis j'ai éliminé le gars qui avait éliminé 4 autres quand même. Exactement. Je vous demande pourquoi, mais pourquoi les gens bronzés se tapent à gauche et les Renois se tapent tous à droite, j'en sais rien. Désolé, mais... Il fallait que j'en parle. Attention. Un clan qui s'est formé peut-être. Attention, Adam va peut-être éliminer Bob. Est-ce que Lou Jackson va éliminer Santos Torres? Non. Attention, ils se mettent à deux sur Bob. Le gros cul de Bob. Et non, bah oui, son gros cul LED. Hein. Magnifique ouais. Springboard de la part de Santos Torres. Hein. Oui. Oh, le backbreaker. Le backbreaker, n'importe quoi. Le back suplex. Et l'arrivée de Suri en 19ème position. Position plutôt intéressante pour le Rumble. 19ème, pouvant largement claim la win sur ce coup. Attention, est-ce que Bob va se faire éliminer par Luke Jackson? Est-ce que Luke Jackson va éliminer Bob? Est-ce que Bob va éliminer Luke Jackson peut-être? Non, d'accord, ok. Bob qui est perdu, il ne sait plus quoi faire. Eh ben, venger. Et non. Ouh, Luke Jackson qui vient de se prendre le finisher de Santos Torres. Ouh là 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 là, coup dur. Pour le catcher, je sais pas d'où il vient. Et l'arrivée de Toto, le gagnant du Rumble de je sais pas il y a plus combien d'années. C'était l'année dernière, non? Non, c'est un vieux Rumble, Toto, je crois. Je crois que c'est le deuxième Rumble qu'il a gagné, Toto. Ah bon? Non? Ah non, oui, si, t'as raison, c'est celui de la saison dernière. Ouais, mais merci. Le Rumble de la merde. Et vous, avec, dans la création de la communauté, avec le Zorak, Demon Zora, non, bah il est toujours pas, hein, c'est...
C'est pas grave. Volette, t'es sur quelle plateforme? Non mais le, c'est, il y a le cross plateforme je crois pour le coup. Mais ça fonctionne pas de son côté, je sais pas pourquoi. C'est Roko, comment tu vas? Oh le la Bob qui clean tout le monde avec des DDT. Ah les fameux coups de pied dégueulasses. Ah mais qui se prend. Oh la vache. Voilà. Ridicule hein. Le speed hein. Paranoia. Bah surtout pour un gars comme Paranoia. Oh joli. Le Spine Buster est incroyable. Parce que si tu réélimines Julep Jackson, bah non parce qu'il danse trop bien. Oh là là, le Payday Kick incroyable. Attention, est-ce que Bob va se faire sortir par Santos Torres? Attention! Santos Torres! Non, ok. À deux encore! Paranoïa qui vient aider! Bah oui, mais il faut sortir le gros! Allez, le gros! Mais le gros qui a trop. Et il a un poster trop volumineux pour qu'il s'en sorte ça. Impossible. Le mec est capable de voler, pourquoi est-ce qu'il perdrait au Rumble? Exactement. C'est vrai, putain, c'est vrai! Tu as vu comme ça? Oh, et Luke Jackson! Et il faut que quelqu'un soit éliminé dans le ring parce que plus personne ne peut rentrer actuellement. Nous avons un surplus catcher dans le ring. Veuillez sortir s'il vous plaît. Merci Cinderverius pour le follow Twitch. Je vais te voir sur Twitch de la chaîne. Ça va être sans plaisir. Merci à toi. On se relance dans ce match. Attention, est-ce que Luke Jackson va éliminer Alexander? Non, ce n'est pas éliminé. Alexander qui va rentrer. Hein. Pour l'instant, serré le match. Hein. Qui vous voyez gagner, mon cher ami? Personne. Qui est dans le ring. Même pas avec le gros cul de Bob? Même pas avec le gros cul de Bob. Parce qu'il est pas foutu d'éliminer quelqu'un. Incroyable. Attention, ah, le coup de boule qui a été raté. Du côté de Bob. Par un mec, est-il éliminé par... D'habitude, Bob sait mettre son cul, mais par contre, donner des coups de boule, il a du mal. À bon entendeur. Et le Pékin Breaker. C'est reparti, on recommence avec le Skyrock là. Hier j'étais déjà fou et je suis reparti. Et je me rends compte que Zorak va rater son date à cause du Rumble trop long. Ah merde, putain, triste vie. On sait jamais hein. D'ailleurs Zorak qui est le prochain à rentrer. Ah bon? Lol. C'est quoi, on est au combienième là? 20, 21, 22? 20 je crois. Ok. Attention, est-ce que Santos Torres va se faire éliminer? Oh. Alors que Bob vient de mettre son finisher sur Santos Torres. Putain, par contre il l'a acheté comme une poubelle. Attention la dame sur les épaules du petit ou du gros, ça dépend. Arrivée du Itak en 21. Itak, un ancien grand éliminateur du Rumble. Sur Adamantium là. Et attendre enfin pouvoir refaire sa prestation. Toto. Toto qui élimine Adam. Propre, c'est très propre. On aime voir ce genre de choses qui surprennent le spectateur. Parce que c'est Toto quoi hein. Ouais c'est ça, parce qu'on n'a pas envie de le voir là hein, mais on en est surpris quand même. Par contre Luke Jackson il est géant. Ah Luke il est déter hein. Il est big. Allez, il est grand ouais. Voilà. Et Bob qui a éliminé le chouchou du public. C'est dégueulasse. J'ai envie de pleurer. J'ai passé une mauvaise soirée maintenant. Parce que Luke Jackson s'est fait éliminer. Itak qui est en train de maraper au sol le pauvre Bob. Et l'arrivée de Alexander Valentin qui s'est éliminé. Alors que Alexander s'est fait éliminer par notre cher Mitoto. Mitoto? Ah? Ah oui. Ok. Ouais, j'ai pas vu qu'Alexander s'est fait éliminer, my bad. Il regarde plus l'action. En parallèle, il était en train de le pousser au sol et. Oh! Toto et Bob sont Sturi. Et les amis de Sturi à deux! La team Chevelon qui a éliminé, bah non de la team Chevelon. Bah en même temps Toto et Bob c'est un peu les deux meilleurs éliminateurs là dans le ring. C'est bon ça marche, problème résolu, tu vois je t'avais dit Clock. Oh là là, le Springbok Moonsault. Les fichiers étaient buggés, ouais ça m'étonne pas. Et l'entrée de Kelvin Michaels dans le match. Et Valentin Itzé qui s'est éliminé, oh la vache. Putain mais Bob il peut vraiment gagner, attends. Attends. Bah c'est il Bob va pas hein. Gagner avec le roulage de cul s'il te plaît. Oh, magnifique Hurricane Rana. Attention, Kelly Michaels qui prend le gros dans ses bras. Oh, il a attendu. Peut-être le futur gagnant du Royal Rumble, le premier à gagner tous les concours de ce jeu. Dans la même année. Hein. Parce qu'à gagner, il m'a dit de même, vous savez.
si on gagne le Rumble, ça serait quand même incroyable. Parce que t'en penses, mais ça commence à m'exciter un petit peu. Ouh, moi j'aimerais bien te voir faire éliminer par Toto. Oh mon rêve de frapper oui, Toto IRL. Imagine, il tac t'élimine. Oh non, pas encore. Imagine Bob m'élimine. Oh l'arrivée, oh non, imagine la grâce m'élimine. L'arrivée de la race dans le ring. Oh, magnifique souplex. Les coups de pied de du gros qui tape tout le monde. Oh, et la spire de Itak et le natural selection de la part de Bob. Attention, Toto éliminé peut-être. Oh, Toto qui élimine Itak. Toto. Et Itak qui est éliminé par Kevin McIntyre, fourré en quart. Incroyable. Oh, c'était beau ça. Très belle. Kevin qui a failli se faire éliminer par Algras, on a failli avoir triple élimination. Et l'arrivée de Aster dans le ring. Ah, il manquera plus que celui qui m'élimine. Ah, je me coupe une couille. Le champion de télévision. Ah ouais, ouais. Si c'est le cas, j'aurais même pas le courage de me présenter à mon date. Si je me fais éliminer par Aster, je pourrais même pas présenter à mon date, j'aurais trop honte. Non, mais c'était pour la blague. Salut, c'est ça. Ça va, t'es remonté direct. S'il vous plaît, mon date à la base, j'ai envie de le faire, hein. Mais vraiment beaucoup, j'ai très envie de le faire. Donc s'il vous plaît. Putain. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Ça va, tant mieux. Alors allez, le Matsato en 27ème. Oh non, Matsato, oh imagine, il m'élimine. Genre parce que je fais pas ça dans le challenge à la con là. Ah, oh le stunner que tu viens de te prendre. C'est tellement possible que je fasse éliminer par Matsato. Par n'importe qui là. Incroyable. Non Bob, tu m'élimines pas. Oh merci Michael. Oh oui. Oh Kelvin qui m'aide. L'entrée, pas pourquoi, 20, d'ailleurs. L'entrée 28 ou 29 je crois, si je dis pas de la merde. Ouais, truc du genre. L'entrée 28 pour Demon Flume. Une victoire de cette personne serait intéressante. Oui. Parce qu'on l'a rien vu faire d'intéressant, malheureusement. Oui. Tout à fait. On s'est fait chier en le regardant, donc pourquoi pas. C'est un profil. Attends, je suis pas éliminé. J'ai peur. À chaque fois qu'on me balance. Okay, le 29ème. Je sais pas qui. Et il va y avoir un blocage de ring. Ryosuke! Ta 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 ta! Oh le coup de genou sur Astaroth! Incroyable! Et Algras éliminé par Bob! Bah le ring n'a pas été bloqué longtemps! Hein. Oh Bob! Bob éliminé par Ryosuke alors qu'il vient d'entrer! Oh là 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 là! Et moi le Springman Wilson derrière! Bob a fait un super Rumble! Ah oui oui, non, Bob a fait un Rumble! Au petit oignon! Attention, c'est qui? C'est Matsato? Mais non, il fallait laisser éliminer Matsato! Oh! Chier! Oh là le. Oh oui, d'accord, le stomp, le double stomp, il fait mal, hein. Ouais, tu devrais pas t'en prendre un Ryosuke, toi? Ouais, non, mais c'est mon jumeau maléfique. Il me ressemble un peu. Oh! Kevin McHugh s'est éliminé par Astaroth! Oh putain, mon dieu! Regarde, c'est la retraite là-bas, y'a tout le monde qui part à la une. À la suite! T'as fou! Attention, t'es bonne sur Ryosuke, mec qui se fait envoyer. Attention, Matsato dans le. Matsato éliminé, ouais! Merci pour tout, Bob au gros cul! Contrayeur quand même! Ah bah là, moi y'a pas beaucoup de catcheurs qui m'intéressent pas là, tu vois, pour gagner. On va voir qui est le 30ème. Là pour l'instant, y'a un catcheur qui m'intéresse pas. Astaroth? Oui. Bon, en même temps, il est champion. Y'en a deux! Bob, tu ressembles peut-être à un blob, mais tu as un bon job. Je suis poète à mes heures perdues. Ouais, t'aurais pu dire blowjob aussi. On était pas loin. Hein. Non, j'ai envie de dire qu'en tant que poète, t'es vraiment un zob. Oh, elle est pas mal. Oh putain. Oh, la magnifique souplex sur Demon. Oh non, casse-toi, des bonnes os, des bonnes couilles là, barre-toi, voilà. Eh merde. Astaroth éliminé. Astaroth éliminé. On est plus que 4. Oh là là, oh là là, oh là là. Les Ryosuke. On est 4 avec un mec qu'on veut pas. Oh oui, Ryosuke, bien joué. Mais non, mais me frappe pas. Il y a deux mecs que je veux pas, mais.
Ouh, le coup de genou. Je vais pas dire. Non, c'est pas moi qui joue là, les gars. Le Rumble, on fait exprès de pas le jouer parce que justement, c'est pour laisser plus d'opportunités aux catcheurs de se développer dans l'univers. Bon, qui tu veux pas avoir gagné, Corey Gold? J'imagine que c'est moi. Et Ryosuke. moi et Zone. Bah, le ouais. Demon Zone, ouais. Connard. Ouh, le coup de genou sur Demon Zone. Moi, y'a juste Demon Zone qui fait chier, quoi. Oh, magnifique springboard. Oh la vache, non mais Devon, par contre, il mérite. Hein. Bon, alors, il a fait un fin de Rumble, mais de ce qu'il a montré, pas mal. Hein. À la preuve. La vie de ma mère, son move pool, il m'intéresse trop, il a l'air trop bien. Mais, wesh, mais calme-toi. Mais arrête. Devon, il on fire sa race. Calme-toi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prises qui font spé slash finish en prise classique. Attention. Oh la vache, sur le mid side pressé, contré en DDT, incroyable. Oh, le coup de genou à la volée. Out of nowhere. Faut aller mener Devon, hein. Oh, d'accord. Oh, il m'a fait le Andrade. Oh, le spinning. Oh, il m'a fait le spinning. Oh, c'est le spé ou le finish, ça? Le spé. C'est le finish. Ah non, c'est le finish. Il vient quand même taper, ouais, hein. Ah oui, non, c'est le spé chez lui, ouais. Attends. Non, c'était le finish. Oh, Ryosuke éliminé. Attends, mais je peux peut-être gagner Rumble, ce sera incroyable. Pour venger ouais. Ma défaite humiliante de début de session. Je saurais comment j'aurai un match à WrestleMania. Attention, Devon contre... Oh là là, le coup de genou, le double coup de genou raté. Devon qui est en train de faire un magnifique inverted Falcon. Allez, sur Zorak, t'as le finisher. Allez Devon, tu peux pas louper ça. Attention, on essaye d'éliminer Devon. Oh, Devon qui a ça éliminé. Non, Flynn. Oui, bien ça a éliminé 100%. Oh non. Devon éliminé. Oh, même pas. Quoi? Si, vous pouvez le pousser comme ça. Non. Oh, Devon. Devon qui vous met le son. D'accord. Oh putain. Oh la vache, ça misait, c'est bon. L'alliance. Oh, le coup de genou. À la volée, out of nowhere. Dans la tête de Devon. Devon qui a ça éliminé. Devon éliminé en finale. Devon contre Zorak. Oh là là. Zorak, oh, tu mérites rien du tout. Je t'encule. Pardon, ça sort tout seul. Je vais me faire ban tous les TikTok, let's go. Allez. Un Rumble encore plus gratuit que celui de Cody. Non mais c'est l'histoire. En fait, c'est ma rédemption. Tu sais, le fameux arc que j'ai dans tous les jeux 2K et dans tous les univers. Allez, le Spinebuster. C'est parfait, allez. Faire le Spinebuster en juin, non? C'est fini. Oh, le genou! Oh, le nouge! C'est fini! Non! Ah, un peu déçu de l'impact. C'était ah ouais, du genou. Aussi. Attention! Et ça? Oh, le stomp! En prise normale. Hein. T'inquiète, c'est... C'est Brian 2.0 en c'est fait. Ça. Allez, relève-toi, Zorak. Allez, tu peux te relever, tu peux le faire, t'es le meilleur. Devon Flynn, let's go. Attends, mais c'est même pas la bonne musique pour la victoire. Je crois pas. Putain, ils ont pas fait gaffe, chier. Bah là j'ai plus qu'à gagner le titre entre temps à l'Elimination Chamber les gars. Si je peux être dans le match. Et comme ça on fait un Devon Zorakvos pour la revanche quoi. En vrai Rumble pas si mal. Pas si mal le Rumble, j'aime bien. Le vainqueur est bon, le vainqueur. Ouais, est il y a bon. Eu il y a eu pas mal de gens qui ont fait des bonnes perfs et puis un vainqueur qu'on n'a pas vu dans l'univers, ce qui est cool. Ouais. Ah mais c'est vrai qu'il a un match pour le titre derrière. Imagine il gagne. Non, c'est un autre retain, ok. Mais pourquoi t'as simulé? Tu voulais pas le jouer? Oh, flemme. Désolé, j'en avais oublié. Victor Dalgras, Stephen Demon Zone. Ah, est-ce que je gagne mon match? Je gagne, ça. Je me remets tranquille. Teresa qui gagne le titre. Lola qui est une championne de transition. Shay dans ta gueule. Et Mazzato qui gagne. Ah, là, tu as même eu deux mois, hein, le titre. Ouais, mais non, mais on s'en fout. C'est la rage qui parle, c'est la rage. Ok, pas de match. Ah, pas de match intéressant. Oh là. Angel qui garde le titre, let's go.
bon champion, Angela, contrairement à Zoragvos. Je t'emmerde. Connard. Kunar. Attends deux secondes. Je vais afficher un truc de deux secondes, s'il te plaît. Les deux secondes sont écoulées. Ouais, je suis là pareil, hein. Je t'avoue, dès qu'il y a un match à Kastaroth, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que t'as fait pour avoir autant de haine de ta catcheuse? Bah, t'as gagné contre moi. Voilà, y'a pas de chercher plus loin. Oh putain, je suis désolé, mais l'endroit, le truc féminin, tire à la gueule, hein. En même temps, t'as mieux les women, ce qu'on met dans le titre. C'est vrai. Non, y a des women incroyables, mais y a des women, ouais, ça tire la gueule. Hein. Attention, Toto Baba de Bob. Bah non, Rob, pardon. Oh la lâche. J'ai du mal, L'insulte. On a insulté catcheurs avant le match, let's go. Allez, c'est parti pour Elimination Chamber. Est-ce qu'on a un match avant? Pas du tout. Est-ce que Rob gagne? Oui, bien joué. Alors. Bah ça c'est le match de titre hein. Ouais. Qui est champion déjà? C'est Antoine non? Ouais. Ouais bah y'a même pas besoin de changer. Y'a pas besoin de modifier. Ouais. Je suis pas dans le chamber, je suis contre Supra, putain. Supra te fait chier. Oh le match là il donne envie par contre. Allez c'est parti. Modifier, personnaliser le match. Non. Non merde, bye bad, excuse-moi. Ah non, faut changer les participants, pardon. Ouais. Pour aller directement là, titre, voilà. Allez, c'est parti pour l'Elimination Chamber. Qui ira affronter Devon en main event de WrestleMania? Oh, est-ce que je rejoue Adam pour le refaire le gagner le titre? Non, tu joues Luke. Ah, oh, j'avoue. Oh, j'avoue, Luke. Luke contre Devon. Le main event des mecs pas connus. Il y a tellement de flow, sauf à gauche. N'est-ce pas, Zorak? De quoi? Il y a tellement de flow, sauf à gauche. Ah ouais, là y'a un problème. Non, Kelvin il a un flow quand même. Ça va. Et regarde tout à gauche. C'est, oui, c'est juste mais t'as compris, oui. Ah ok, moi je croyais qu'il parlait en gros la partie gauche de l'écran. Non, juste lui. Y'a un flow sauf tous les mecs à gauche. Allez. Adam? Non. Ah non. Je vais dire quoi de Lilith? Je te rappelle que tu m'as pris le titre Women's lors du dernier match pendant la dernière session, du coup tu m'as pris une miniature. Ouais mais... Oh oui! Yeah! Dans ce chat! The Superstar. Le pire, c'est que Luke Jackson, il a une gimmick qui est le genre de gimmick qui ne gagne jamais le titre majeur à la WWE. Qui gagne jamais rien tout court, hein. Adam Rose, tout ça, ça n'a jamais rien né, hein. Adam Rose, Noé Rosé, c'est compliqué, hein. Merci Doki Sotoko pour le follow Twitch, en espérant te revoir sur tous les différents lives de la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir, merci à toi. Salut les Z, comment tu vas? J'espère que tu vas rester champion jusqu'à Mania, ce serait mérité. Juste pour le thème. Ah, le flow qu'il a. Attends, je vais te réveiller, bah, faut sortir les doigts les gars. Oh la musique, putain. Chien avec TikTok, bah écoute, ça fait grand plaisir. Merci à toi, petit PG, s'il vous plaît, pour lui. Car il vient de TikTok, ça fait plaisir parce que c'est les gouttes qui font ça. Ah,
En tout cas, c'est pas la session la plus proactive. On regarde pas les résultats, on fait pas beaucoup de matchs. On est pressé, t'as un date après. Oh, ça va. Je pense que madame ne t'en voudra pas. Qu'elle n'hésite pas à répondre au chat. ou directement à moi sur Discord. Et de toute façon, le date est censé être vers 20h, donc normalement, on a large le temps. Ouais, moi j'arrête après WrestleMania. Oh oui, t'inquiète. Après, je dis ça, ça se trouve, on va finir à je sais pas quelle heure du mat, on va même pas dormir. Au vu à chaque fois à quelle heure je me couche. Je sais pas à quelle heure je vais me coucher. Alors, vois aussi celle-là. Ouais. Là, ça y est, Twitch pour venir et franchement, ça vaut le coup. Je me tape des barres avec mon Voreact. Merci, ça fait plaisir. Et encore, là, on est dans un live où on est. Franchement, je trouve qu'on est soft aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'avertissement TikTok. Ah ouais, putain, parce que j'ai pas dit le mot en J, j'ai pas dit le J-word. Le J-word? Oui, le J. Jouer? Oui, tu savais. Jouer, mais d'une autre manière. Parce qu'il se passe après qu'on a fini de jouer. Ou pendant qu'on joue, ça dépend. Tout à fait. C'est vrai que c'est souvent quand tu joues, ouais. Et toi, sinon, tu joues à quelle fréquence, mon cher Asno? Plus que toi. Moi, ça va, j'ai plus trop l'habitude de jouer. J'ai plus besoin. En même temps, y'a rien qui nous laisse l'ouverture pour Erat, sauf si Wilfried arrive à sortir un truc de son chapeau. C'est vrai. Non, mais par exemple, hier, j'ai pété un câble sur Pokémon. Mais j'ai pété un câble tout seul. Vous voyez, des fois je. Voilà, je suis fou tout seul. Salut Samuel. C'est un malade dans sa tête. Il est instable. Non. Et je parle pas de Twin Daddy, hein. Bien que la tenue vestimentaire. Mais t'as pas compris en fait, c'est pour représenter la commune LGBT. Et on dirait un gars refoulé là. Ah, justement, CRP. Évidemment, on rigole. Il faut mieux en rigoler qu'en faire tout un pataquès à chaque fois. Baiser. Hein, t'es cure, putain. On va se mettre une communauté ado, bordel. Ah, putain. Adam, ouais, qui visiblement Adam ne gagnera pas. Pourquoi? Je sais jamais, hein. Mais rappelle-toi le nombre de. Rappelle-toi le nombre de chambers qu'on a perdu contre des SIA. Salut Elias. Ouais, mais elle se rappelle pas, les IA. Là, il est full thème. Ouais. Par contre, le masque BDSM, je comprends toujours pas. Bah écoute, s'il aime les. J'allais dire les cochonnes, mais non, du coup. S'il aime les grosses vaches. N'hésitez pas à dire dans le chat aussi si vous aimez les grosses vaches. Salut Glenn, comment tu vas? Bah j'en connais une pour être en date avec moi, c'est qu'elle doit aimer un peu les gros buffles. Hein. Parce qu'on va pas dire que je suis. On va pas dire que je suis très fit. Hein. Ah bon? Elle sait pas ce qu'il attend. En fait elle a vu les photos, vous savez, mais j'avais mon veston qui compresse le corps. Ouais, parce qu'en fait Zorak sur ses temps perdus mais a des corsets. Tu sais que les corsets hommes ça existe, ça coûte la blinde du cul. Mais vraiment ça coûte trop cher pour ce que c'est. Bah en fait ça existait à l'époque royale. La plupart des trucs que les femmes mettent aujourd'hui, les hommes les ont portés avant elles. C'est vrai. Tu parles au niveau bzez ou corps en général? Bah je sais pas, votre définition de la grosse vache. Pas les crop top, mais Zorak en crop top, le rêve. Oh l'enfer, je fais un cauchemar. Je fais un AVC, je sors même pas de chez moi. Genre même moi je préfère me mettre torse poil chez moi tout seul que mettre un crop top. Mec, t'es sorti avec un choker, c'est bon.
Franchement, je préfère mettre le choker comme j'ai fait et me faire tenir en laisse plutôt que de porter un crop top. Je peux vous dire, le choker, ça allait en vrai. En vrai, le choker, c'est juste j'avais un collier hein, et la laisse, c'était moi qui la tenais. Alors, le but, c'était pas de faire le chien. Hein, le but, c'était justement dans une convention. Juste de faire un truc un peu sexy, mais sans l'aide, tu vois. Et vu que c'était sur moi, c'était pas du tout sexy. Ouais, on est en mode univers Kyrox. Mode univers de la commu. Là, moi, je joue Luke Jackson. Et toi, tu joues qui? Tu joues Kevin? Ouais. Ok. J'allais dire si mon date elle veut me voir avec le choker, on verra, mais je crois que je l'ai jeté. C'est fortement probable, oui. Je crois que j'ai tout jeté. Au pire, on pourra en racheter un. N'hésite pas à me dire si t'as envie. J'ai le téléphone dans les mains. Demain, on va apprendre que le Zorak a un donjon BDSM chez lui. Non, mais j'ai une salle BDSM. Oui, il a un donjon BDSM avec une tapisserie rouge, mais genre rouge foncé. C'est très sexy. Et avec un putain de truc noir au sol, c'est horrible. On dirait un truc à Pigalle ou un truc d'Amsterdam. Oh, magnifique Falcon Arrow. À la Seth Rollins. C'est propre, hein. Simplement deux. Un natural selection qui a été raté. Attention Kelvin. Attention. Qui envoie l'ami dans le coin. Ouh, dans les cordes. Attention le tombé de la part d'Antoine. 1, 2, simplement 2. Je peux encore me reposer. Vu que je rentre en dernier. Quel plaisir. Je peux encore raconter des conneries dans le chat. Et du coup, ouais, non, le donjon BDSM n'est pas prévu d'être ouvert. Je ne suis pas sûr que les gens sont dans ce délire. En général. Et toi, en vraie zone, est-ce que le délire BDSM pourrait te déranger? Oui. T'aimes pas le BDSM? Pas plus que toi. En vrai, je sais pas si j'aime bien ou non. C'est ça le problème. En vrai, je sais pas. En juger par notre expérience commune, non, t'aimes pas. Quel rapport entre notre expérience commune, j'ai peur là. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, le problème, c'est que Zone, souvent, il arrive à me sortir des anecdotes sur des trucs qui ne se sont jamais passés ou je suis pas au courant. Donc, soit il m'a drogué, soit je change d'été totalement au rebout. Sauf que je bois pas d'alcool. Donc, y'a un problème. Du coup, de quelle expérience commune, mon cher Zone? Bah. J'ai besoin de la réponse, ça fait peur là. Il t'a oublié, il y a une raison. Non, mais frérot, attends, par contre, j'ai vraiment peur. Premier degré, de quelle expérience commune? Non, je rigole. Ah, ok. Ça s'est passé sur un pack de canettes. Ah putain, oui, mais j'ai pas aimé du tout. C'est ça le principe. Le BDSM, c'est que t'avais un minimum. Quand tu m'as tabassé les côtes, c'était... j'ai pas kiffé. Non, c'est des persos créés par la commu, mon cher Kyrox. Et du coup, non, en vrai, je sais pas, en vrai. En vrai, je pense que moi, le BDSM, c'est... je kiffe pas sur le style, genre, tu sais, faire mal. Mais genre dans le style objet du style BDSM, je pense que ça me dérange pas, tu vois. Je sais pas ce que je veux dire. Si. Je vois totalement ce que tu veux dire. T'as envie de mettre un juste corps moulant en cuir. J'ai pas dit que c'était moi qui devais en mettre un, connard. Mais je sais pas, tu vois, c'est pas le genre de truc qui me dérangerait. Genre, tu sais, les meutes, les machins, les lanières, ça peut être un petit peu sympa, quoi. Ah, dame éliminée en premier, ah bah d'accord. Mais après, ouais. Voilà, c'est pas le truc genre, ouais, salut, j'ai envie de faire, voilà, quoi. C'est pour... je sais pas. Je me pose la question, why not, tu vois. Mais c'est pas... bon, je crois que toi et Daniel, on peut lui dire au revoir. Twist of Fate. N'oublie pas la boule dans la bouche.
Je vais pas lire la fin de la phrase. Je vais pas lire la putain de fin de phrase. Le ball gag. Pourquoi tu veux pas mettre un gag? Non, mais il y avait pas que ça dans la phrase. Ah. On va dire que ça parlait de... Tu es animal? De protubérance supplémentaire pour les demoiselles. Ah, du pegging. Oh. Un peu de pegging n'a jamais fait de mal. Ouais, mais c'est pas mon délire. Là, pour le coup, tu vois, ça, je suis sûr que c'est pas mon délire. En parlant de pegging, tu devrais faire attention au jeu plutôt que... Hein. Oui. C'est entendu, je me fais enculer, c'est ça? Ouais, un peu. Ça, t'inquiète, je gère. Oh, oh, le pile driver! Oh, il était beau par contre. Oh, Star Abigail! Ça va là, les connards là? Twist of Fate! Oh, le bâtard! Incroyable! 1, 2, oh, enfin illuminer la zone. Plus que tu voulais le mettre sur l'autre, moi, pas sur moi. Allez l'arbitre, 1, 2, un simple bandeur. Non, non, pas moi. Non, non. Il faut me faire niquer, c'est hein. Oh, les paquets! Oh, les bots qui ont gagné en paquet, incroyable, choqué, choqué. Tu sais quoi? Hop, on va te faire un paquet à toi aussi. Oh putain. Mais André, il a trop de vie, putain, j'ai pas vu. Je vais le taper, je vais le tabasser. Ouais, André, il est full life depuis tout à l'heure. Oh merde. Oh, le arm drag fait pas plaisir là. Oh, 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 est-ce que je vais réussir? Oh, il a contré la salle. Il a contré. Ah là, là tu t'es écrasé tout seul, mon frérot. C'était beau, hein. Oh, le Ronnie Power Sam, let's go. Je suis mort de Strowman, let's go, quel plaisir. Oh merde. J'ai déjà mal au bras, c'est insane. J'avais mal au bras au début de session, j'ai encore mal au bras. Ça y est, Nico. Oh, le coup de genou. Ouh. Ça fait mal. Attention. Et un nouveau Twist of Fate. Ah non, il est contré, je vais me faire foutre. Twist of Foutre. Oh, ouh. Oh bah putain, mais il contre tout hein. Angel, tu m'emmerdes. Oh, Springboard Crossbody. Ça, tu t'en sors toi contre Tway Daddy. Twist of Fate. Oh, il l'a contre. Mais c'est bon, putain, mais non, mais Angel il contre tout, c'est fini. Je peux rien faire contre cet homme. Il est possible que je vais chanter les aigus pendant très longtemps. C'est tout ce que je vais dire. Les aigus vont être chantés, chat. Par contre, Antoine, premier degré, il mérite de retain là. Vu le match qu'il est en train de faire, c'est insane. Oh, incroyable, le dive est fou. C'est gagné. Bah, tu l'élimines, c'est bon. 1, 2. Ah, j'aurais pas cru, tu vois. J'aurais pas cru non plus que c'est moi qui t'appelle, l'autre connard d'IA. Attention. Toi, il a dit. Ouh, le percut. Attention. Le Canada Destroyer. Oh, ah, pas du tout. Ah, c'est juste une powerbomb. Ah, la jackknife powerbomb, je m'attendais à mieux. Magnifique. Ah, pourquoi il a pas fait le finish, quel con. D'accord. Aucun impact. Juste devant Swain. Y'a rien. Genre vraiment. Toi, il s'est vu pouvoir repartir. On est d'accord qu'il a fait un putain de dropkick sur Twain là. Ah, n'importe quoi, putain. Heureusement, parce que si c'était avec Fudi comme ça.
T'as vu, tu t'es fait niquer toi aussi avec le finish. Chez. Chacun son tour. On en parle que j'ai pas gagné un match de la soirée pour l'instant. On n'a pas fait beaucoup, mais vraiment le ratio est dégueulasse. Bien joué, c'est gagné. Ça suffira pas, hein. Il est full life. Ah merde, j'ai pas vu. J'y ai cru. C'est un bon deal, c'est un bon signe pour le date. Ah bon? On verra bien, hein. Propre, très propre, mais ça finira pas. Comment ça? Comment ça? Bah venez de prendre un finisher. Ah ouais, mais non, il avait encore de la vie. Ouais, mais même avec de la vie, tu sais, t'as une sorte de debuff quand tu prends un finisher. Ouais, sur les pins. Troisième rentrée, hein. Ouais. J'élimine Twain. J'élimine Adam. Et le champion. Et moi, je me fais juste péter le cul. Quel plaisir. Vraiment, c'est pas ma session. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je fais trop de trucs aujourd'hui, je suis fatigué, c'est pour ça. Victoire de Somme, victoire de Toto, de Bob. Je m'en mets, mais j'ai pas de personnalité. Pardon. C'est parti. Je vais me rattraper, chat. Je vais me rattraper. Vous pouvez croire en moi. Croyez en moi. Je sais que je crois pas du tout en moi. Évangélite même pas dans le chamber, je crois. Putain. Vraiment, d'habitude, j'ai confiance en moi dans les matchs comme ça, ou même en général. Mais là, sur Touquet, aujourd'hui, j'ai zéro confiance parce que j'ai gagné aucun match. Le pire, c'est que là, tu t'es fait éliminer par un bot, quoi, même pas par moi, quoi. Ouais, j'ai refait. J'avais bien commencé, je me suis pris après un spé, un coup dans les couilles et c'était terminé. Pourquoi? Après, pour que le coup dans les couilles soit aussi gros, aussi puissant, c'est que Luke Jackson, il doit avoir des couilles énormes. En même temps, il est black. Oula, oula. Oh, ça va, tu commences pas dans le ring. Ta gueule, putain. Je vais me faire ban Twitch avec tes conneries. Oh, c'est bon. Ah, c'est ce genre du temps pour parler avec mon date derrière si je me fais ban Twitch pour une semaine. Oh, m'en fous, c'est pas ma chaîne. Culé. Faudrait que c'est mon gagne-pain. Aucun respect pour Lily, ça, avec la meuf qui fait son annonce par-dessus. Ouais, casse-toi là, laisse ma waifu tranquille. Tu sais ce que ça pourrait être, l'un dinguerie en vrai. Un jour, les gars, si j'ai une copine qu'elle se cosplay comme ça. Ouais, non, on va éviter. Bon, ouais, c'est stylé. Ouais, mais ça va se finir à la Red Room. Mais c'est le principe. Tu sais, imagine, un jour, tu sais, je trouve une copine, tu sais, il y a un des trucs, tu sais, à cocher pour que ça soit bon, faut que tu puisses faire ce cosplay. Horrible. Vraiment, la condition de merde. Un contrat de mariage. Une fois par mois. C'est ça la tenue des nuits de noces. Here comes a true superstar. Oh. Une true superstar. Ils sont des bonnes blagues, les commentateurs dans ce jeu. Je crois qu'elle a déjà gagné dans la chamber. Ah non, elle avait perdu son titre dans la chamber après l'avoir gagné dans un triple threat. C'était ça le truc. Storm, pareil. C'est comme Toto. Je crois que Lily a gagné tous les titres dans ses chambers. Non, j'ai gagné dans des matchs normaux aussi. Non, mais ce que je veux dire, par tous les titres qu'elle a pu avoir dans un chamber, elle les a gagnés. Je m'accueille ce meilleur catcheur de l'histoire, n'oublie pas. Non. J'oublie pas ton avis, hein. Mais j'oublierai pas que c'est... Non. C'est qui? Alexa? Commence pas dans le ring.
Trop de flow. Absolument trop de flow. Pareil, ça c'est un cosplay obligatoire. Sans le maquillage facial. En vrai, ça met un style, hein. C'est sexy, hein. Ouais, non, peut-être sexy pas. J'ai l'impression de faire le sexe à un mort. C'est vrai que c'est peut-être pas le. Peut-être pas le meilleur. Allez, la prochaine. Allez, random tir sur 20. C'est la meuf avec les cheveux rouges. C'est, ah non, c'est la championne, faut lui laisser. Oh, d'accord. On s'en fout, elle sera plus championne après. Ah. Sheamus. J'irais même plus, c'est Sheamus. Sheamus, ouais. Elle est encore plus blanche que Sheamus. Je savais même pas que c'était possible. C'est Albinos niveau 4 là. Après c'est la lumière qui fait ça aussi hein. Ça qui fait penser la meuf là aux cheveux rouges qui est championne actuellement, elle fait penser à Emma. Pas Emma. C'est la meuf qui était, qui avait jamais vraiment catché et qui revenait avec Paper Niven. Ouais, oui je vois. Jamais servi à rien cette meuf. Eva Marie, merci Wouter. Eva Marie. Merci. Ouais. Eva Marie. Bonjour, bah bonjour à toi. Bon, elle hésite, c'est le gars. Tu te souviens quand elle aurait dû gagner et que... Et qu'il y a eu un petit accident de manette. Oh putain, c'est vrai. Merci de t'avoir pour le follow Twitch, on se voit sur tous les différents lives de la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir, merci à toi. Ebony contre Ivory. T'as essayé de faire une blague, non? Une référence. D'accord. Oh, pour l'instant, c'est pas que les deux catcheuses in-ring ne nous intéressent pas, mais c'est que les deux catcheuses in-ring ne nous intéressent pas. C'est pas faux. C'est encore pire que le division féminine tag team de SmackDown et de Raw actuellement à la WWE. En fait, je crois qu'on joue plus les catcheuses qui nous intéressent. Dans non, le match. Que, pas que les catcheuses. Ah oui, en général, tu veux dire, genre, il y en a aucune qui sort. J'avoue, il n'y a pas Luna, il n'y a pas Evangeline, il n'y a vraiment personne. Il hein. N'y a pas. Y a pas ah Allison, Dirty. Allison, voilà. Ouais, vraiment, oui, il n'y a que. Ouais, je suis d'accord. Ah, d'accord. Bon, je suis rentré en dernier cette fois-ci, là, je suis en premier. C'est parti. Je vais gagner de cette position. C'est normal, elles ont posé leur TT, ok. Là, c'est parti. Tryhard chat. Si je gagne pas ce match, c'est-à-dire que le date se passe pas bien ce soir et qu'il faut le cancel. Sachant que t'as déjà une couille en moins. C'est... Ah pourquoi? Non, la couille en moins c'était si je me faisais éliminer par Astaroth. Je me suis pas fait éliminer par Astaroth. Ouais, mais t'as perdu contre moi suffisamment pour perdre une couille quand même. Non, j'avais pas parlé de la couille, donc on l'a parié, donc j'ai pas perdu. C'est comme le pain perdu, je l'ai pas perdu. Allez, c'est parti. C'est un peu le bordel hein, ce match. Là, depuis que la jobbeuse est rentrée dans le ring. Je t'emmerde, ok. Sale con, va. D'accord, pas de compte. Non, moi je vais me faire foutre, hein. Pas de compte, c'est pas grave. Allez hop. Forcément. Zone, tu n'as pas le droit de perdre ce match. Tu as perdu 0 match ce soir. Alors j'espère que tu seras pas lui le premier. Désolé Hype, je peux rien garantir. J'imagine que c'est Hype qui a dit ça. Ouais, ouais, mais de toute façon même s'il le gagne, il le perdra à WrestleMania. Donc bon, à la limite, champion ta courte de ta victoire de courte durée. T'apprends ça bon. Tu sais que j'ai eu le timing de ta prise au lieu de la mienne. Genre quand j'ai appuyé la tienne et vraiment elle s'est appuyée aussi. Voilà, dégage.
Ça y est, Chan. Yo, laisse mon bif. Il nous a pris pour qui, lui? Il est malade. D'où je suis un small bif? Un poil brillant. Par contre, Anishan, il arrive pile quand je suis en train de tabasser sa jobeuse là. Tiens, c'est mon vieux Shane, t'inquiète, oh, incroyable. Hype qui a dit, ça veut rien dire, j'ai confiance en Zone. Mais est-ce que Zone a confiance en lui-même? Non. Mais ça va pas me stopper pour autant. C'est ça le mental. Natural selection. On entend pas Zone, il tryhard. Non mais on parle pas, nous là on tryhard. Il y a plus d'animation, chat. Et faut surtout pas que des autres women gagne en fait. Non, faut surtout pas que je perde tout court, moi. Elle est à contrer. Allez hop. Tiens, connasse, va. Allez, close line. C'est fini, chat. Il y en a une éliminée. Allez, Stephen, tu dégages. Allez, l'arbitre. J'ai dit j'allais tryhard, chat, hein. Je vous l'avais dit, hein. Oh, les Zid qui vient de mettre le finisher de Sintheory sur Everstorm. Merde, je voulais taper l'autre. Casse les couilles. Ouais, je sais. Oh, la German Suplex Close Line. Oh. Allez, le coup de genou. Vas-y, je te la laisse. Alors attends, je te la ramène. Dommage, c'est un peu loin. Eh merde. Oh, magnifique. Le chair face buster là, il fait mal. D'accord, c'est toi qui as fait une prise ou... Mais j'étais sur l'autre et t'as dû trop te rapprocher de moi et du coup ça m'a mis une prise sur toi. D'accord. Pourquoi pas? Mais... Ah, il est tombé sur avant. 1, 2, simplement 2. Attends, je finis Ava, vous achevez de l'élimination. Et la star! C'est fini. Et deux éliminations. 1, 2, 3. Voilà, deux éliminations. Allez, allez-y maintenant. 1, 2. Ah, c'était pas elle que je voulais taper encore une fois. Mais... Bon, tu sais quoi, je vais me taper la plus forte. Mais occupe-toi d'elle. Bah oui, je m'occupe de la plus forte. Faut arriver. On est d'accord, on s'allie contre Teresa. T'es vraiment une saloperie, toi. T'es vraiment une saloperie, tiens. Mec, connard. Deux fois tu comptes pas et ça décide de pas le lancer, mon finish, quoi. Quoi? Ah putain. Ah, d'accord, je l'avais trop tôt. Ah putain, trop tard. Bien joué. Faudrait pas qu'on nous accuse de faire une alliance. Allez. Maintenant, on peut tabasser Teresa. Maintenant que j'ai pris le finisher et que j'en ai plus. Bah, j'en ai plus non plus. C'est Kix. Oh la vache. Oh merde. Voilà, attends, je la chope. Et connasse. Ça finit ça? Je suis en train de faire quoi? Oh, je vais piquer son finish!
On fait d'actualité qui revient à WWE pour mon plus grand bonheur. Bah tu as raison. Oh, éliminé, c'est sûr. Ah, c'est sûr, elle est éliminée. 1, 2 et 3. Allez, finale contre Zone, let's go. Allez, je vais encore perdre. Allez, c'est très hard. Là, il y a mon date en jeu, les gars. On rappelle. Oh la vache. Waouh, là, y a, là, normalement, t'as le truc KO avec, tu sais, le truc qui s'affiche. Le fameux coup de genou, la légende de Zone qui a peut-être éliminé. Pas du tout. J'ai tenté. Il y a Hype qui dit, allez Zone, t'es le meilleur de ce match ce soir. Bien joué. Oh non, il a un spé, un finish, c'est terminé. Ça va être compliqué là. Ah, c'est bon. Quoi? Mais j'étais même pas relevé! C'est quoi cette arnaque? Attends, bon, on est d'accord que tu m'as pris en spé alors que j'étais même pas encore relevé? Bah, si, t'étais relevé. Ah, d'accord. Approche, t'es pris en spé. Vous me conseillez quel jeu de WWE pour avoir le mode carrière, pour avoir le meilleur mode carrière? Ça dépend. Si tu veux un truc guidé ou si tu veux un truc pas guidé. Je sais pas si t'es un finisher de la troisième corde. Ah, si, merde. Je suis vraiment une merde. Non, guidé préférence, faut que tu partes sur les 16, 17, 18 alors, environ. Si je finis le match là-dessus, c'est incroyable. Genre vraiment, si je finis là-dessus, le match est fou. J'ai tellement le seum. Un beau match. Sauf tout le début, mais le début il compte pas. La fin où genre tu comptes mon machin, je te compte derrière. Oh là là, alors que c'est genre c'était terminé. Oh non, mais t'as la fireball. Oui, oh, d'accord, tu utilises pas. Oh ah. J'étais nécessairement obligé de le tenter le tomber. J'ai tellement le seum pas pouvoir faire enchaîner parce qu'il était incroyable. Genre je te récupère et je te finis en fairy tale ending là. Ah non, bah, attends, je sors la machine de ma poche. Non. Non, non. T'inquiète, y'a pas de 6x. Non, mais j'ai, mec, si t'as cru que j'allais te laisser faire ta boule de feu là. Ta boule de cul là. Eh oh. Passe de fou. Ah, le jeu trois fois! C'est bon le jeu là! Putain, jeu de merde! Si tu veux te plaindre, Hype, faut te plaindre au jeu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il s'est passé quoi du coup? Parce que moi j'étais trop concentré dans le match. Trois fois j'essaie de faire mon finisher, trois fois je lui ai dit non, non! Mais t'avais pas ton finish? Bah si. T'avais ton spé, t'avais ta boule de feu? Mon spé, pardon, oui, pas le finish, le spé, ouais. Oui, mais alors, en fait, le truc, c'est que j'étais en course, tu peux pas faire un spé si je suis en course. Bah, bien sûr que si. Bah, oui, mais sauf que moi j'ai l'avantage, c'est comme quand t'avais fait le coup de pied et que t'avais récupéré l'avantage derrière, c'est pareil. Bref, c'est pas de ma faute, c'était débile. Voilà. Comment tu l'as dit, j'ai l'impression que c'était Hype qui était débile. Genre, c'est pas de ma faute, c'était des. Si t'es débile. Genre, bah, en fait, c'est un gros con. C'est pas ma woman's. Ah, moi, ça me fait cool. Un peu chier que c'est un perso qui est gagné. Mais moi, c'est cool parce que du coup, je garde mon date et éventuellement, je récupère une miniature. Après, le jeu t'a bien aidé. Hein. Oh, arrête. Alors, parce que la première boule de feu, 100% tu la prenais alors, normalement. Je suis d'accord, mais tu peux pas enlever que j'ai fait un bête de match. Ah non, je t'enlève pas ça du tout. Merci, c'était un très beau match. Merci. Les coups étaient beaux. Bon, oui, bah, désolé, je suis en train de me chier dessus. Par contre, ouais, j'ai adoré le. Quand t'as contré le deuxième compte là sur mon finish, j'étais en mode putain, j'ai perdu. Restaurant, putain, restaurant. Alors,
Ok. Putain, mange pas de match à Maya, sinon c'est pas drôle. Bah y'a un problème là. ça existait ce match. Je dégage encore une fois. Tu sais que c'est la deuxième fois que je dégage pour le titre à Mania. Bah si, on peut mettre un triple threat elimination hein. Allez, let's go. pas compliqué à convaincre le con. Bah la dernière fois j'avais refusé triple threat elimination. C'est vrai. Bah je crois que c'était avec Toto justement. Devon. Non. Non, oui. Merci. T'inquiète. Et moi j'ai encore un match random dans une carte de merde, un crevé. Bah t'es à Mania, c'est bon. Franchement, si c'est pour être là à Mania, je préfère être dans rien du tout. Allez Stephen, je crois en toi. Non, là faut que j'enchaîne encore une masterclass. Ta gueule, Mike Rome. Tu vas partir en front kick. En plus, je crois que t'as l'avantage parce que toi, ton finisher, justement, là, en course, il sort plus vite. Et normalement, si on fait un combat de finisher en course, je suis dans la merde. Non, parce que je vais louper, en fait. Tu sais, ça va faire le fameux truc qu'on va se passer à côté. Ah oui, genre moi, je passe en dessous, tu passes au-dessus. Du coup, K24 est bien. Oui, il est bien. Mais c'est une histoire. Si tu cherches pour l'histoire, par exemple, c'est une histoire assez dirigée, quoi. C'est vraiment t'as deux scénars. T'as un scénar masculin, un scénar féminin. Triple threat, on est d'accord. T'as mis un elimination. Oui, oui. On remet la bague. Il va de nouveau être champion de transition. Pique ta mère. Regarde, tu vois, je mets ma bague sur mon doigt d'honneur et tiens. Bah non, je vois pas, donc ça n'a aucun effet. N'est pas effi, n'a pas été affecté. Cela n'affecte pas zone. On s'est rattrapé sur les matchs quand même à la fin. Au début, on a vraiment pas matché, et après là, on a matché de ouf. Bah l'avant-dernier match de cette session. Ouais. Tout à fait. Parce que le titre télé, un peu flemme. Bah c'est pas pour être méchant mais les gens dans cette truc là ça manque de charisme. Ryosuke ça va ouais. Ah non oui mais le champion il manque cruellement de charisme. Bah en même temps il a pas sa musique pour une raison que je vais taire. Bah, c'est juste que j'ai pas envie hein, je peux le dire. Parce que les persos super bien faits et les vêtements vraiment cool pour le coup. Ah ouais. Normal que Lilith soit bien faite, c'est moi qui l'ai faite. C'est ma waifu. Pour ça. Par contre, c'est triste que ce soit Stephen à Mania alors que dans le Chamber, bon. Oui. Bah, je l'ai mis en premier. Littéralement. J'ai préféré Evangeline, Allison, Luna pour l'histoire, tu vois. Trouver le talent. Ah, bah, frérot, on a le talent ou on l'a pas. Hein. Un petit squash à Mania là, tu squash Stephen. Après, en vrai, c'était pas compliqué. Hein. J'ai juste regardé ce que je trouvais ultra stylé et sexy et j'ai fait une tenue. Alors, vraiment, j'ai regardé ce qui me plaisait. Je fais, oh, c'est pas mal ça. J'ai eu des versages plus compliqués à faire, quoi. Genre, Stephen Faria. C'est pas moi qui l'ai fait, connard, c'est Sacha. Ça, c'est ce que t'essaies de nous faire croire. Oh, l'enfer, imagine, j'avais fait ce laidron, là. En fait, la vérité, les gens qui sont là, c'est qu'il n'y a pas de commu. Vous êtes tous des inventions de Zorakvos. Même zone, en fait. Je suis un putain d'enculé schizo. Oh, elle esquive. Putain. Un enchaînement de contre. Ah merde. C'était beau. Ah, c'était magnifique. Tu sais, on aurait dit les enseignements de grappling des vieux jeux. C'est vrai qu'une revanche Elite Alexa, ça aurait été plus RP, tu vois. Oui, bah clairement oui. Tu sais ce qui a manqué à cette session quand même? Non. Des combats de points. C'est vrai. Sauf que ce qu'on aura dans cette session, c'est un squash. Pourquoi tu pètes tout le fun? Pourquoi t'es comme ça?
Oh la vache, le backbreaker était d'une violence. Allez Cyril de la part de Greeknot, incroyable. Le mort-vivant est là. Faudrait qu'on se capte Greeknot. Mais oui, mais il veut jamais se capter. Il nous aime plus. Avec Seb. Il nous aime plus, Seb non plus, même pas. Il dit qu'il m'a capté, il a jamais essayé de m'envoyer un message. J'ai envie de pleurer, tous mes potes m'ont abandonné là. Putain. Heureusement qu'il y a le zone, hein. Ouais, le seul et l'unique. C'est l'unique qui se passe plus de temps à se foutre de ma gueule qu'à être sympa la plupart du temps. C'est faux. Mais on l'aime quand même. Bon, je rigole. Oh putain, connard, je pensais que je pouvais t'avoir. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. De quoi? Le moment ou c'est dégueulasse que j'ai contré? Le moment. Ah oui, ok. Parce que ça s'est passé exactement comme j'ai dit que ça allait se passer d'ailleurs. De fou. Quoi? Mais t'as sur la... t'as sur la chaîne. Et voilà. Et je vais faire celui-là et je vais le rater. Parce que celui-là est trop facile à contrer. Voilà. Voilà, le chien vient de me... littéralement me baiser. T'as tellement géré le timing, t'es trop fort. T'es trop fort, mec. T'es le meilleur. Fun fact, c'est la deuxième fois que je gagne comme ça avec Stephen. J'allais te péter un câble. Salut Azerko. J'ai attendu, mais allez vous faire enculer avec votre championnat de transition. Hein. Dès que j'ai vu l'arbitre dans le coin, j'ai déjà fait une fois, ça passe une deuxième. Après, en plus, elle gagne pas legit, donc ça va, tu gardes un peu de. Ouais, mon sexe. J'allais dire une connerie. Oui, mais je vais perdre avec Zone là, donc tout va bien. Mais je m'en rends que tu perds avec Zone. Ça m'intéresse pas, tes vieux matchs. Ce qui m'intéresse, c'est les miens. Bon, Romy gagne, super, Demon y gagne, Toto y gagne, et tiens, putain. Tu te rends compte qu'il y a Astaroth sur la Minia? Déprimant. C'est, on va être obligé de lui donner une musique, quoi. C'est chiant. Je suis rien à foutre. Je suis obligé de rien, moi qui décide, sa dictature ici. Tu passes quand même d'une mini avec deux persos avec une minia à zéro perso. Ta gueule. Connard. Ce que je vais essayer de me niquer. Par contre, en vrai, premier degré, déjà le jeu m'a baisé parce que j'avais fait mon finisher, il a dit non. J'ai décidé de le refaire, il a pas pris le bon. Alors, t'as fait ton finisher, il a dit non, ça m'a fait pareil juste avant, ça s'appelle le karma. Oui, et ensuite je l'ai refait et il a pas mis le bon. Donc ça m'a niqué, parce que le finisher standing, il est trop facile à contrer. Parce que tu courais pas assez, t'avais plus d'énergie à la fin. J'ai plus d'énergie, j'étais encore plein d'énergie. La barre avait même pas commencé, j'ai plus d'énergie. La rage, oui, parce que c'est la deuxième fois que je me fais niquer mon titre comme ça dans la même journée. Donc oui, ça commence à me casser les couilles. Avec le même perso en plus. Hein. Après, le finish était joli après. Non, c'était de la merde. Quoi? Non, je déconne, c'était bien timé, mais ça me casse les couilles. Ouais, Living Legend de mes couilles, hein. Tu dis ça, mais... Oh, la lumière, là. Oh. Le flashbang. Ah ouais. C'est flashbang, hein, pas flashbang. Ouais, c'est une banque flash. C'est Sacha Banks qui se fout à poil subitement. Attends, mais Divonne, en fait, il a pas de musique. En fait, on lui a juste pas fait une musique. C'est vrai. C'est une tristesse. Bah en même temps, tu m'envoies jamais les persos à qui il faut que je fasse des musiques. Comment tu veux que je sache? Ouais. Mais vraiment, j'ai jamais fait de musique à Devon.
Je checkerai. Un peu triste que s'il gagne le match. Et ben on lui mettra une musique. Il aura gagné le droit d'avoir une musique. Et Jamy, tu as skip son entrée. Ah merde. Salut Mathieu. Tout ce que j'ai fait pour faire de lui le champion. Et ma mère ressort pas avec le titre. Hein. Ah ouais? Non, pourquoi? Oh, parce que je m'en fous, je préfère limite que tu gagnes que lui. Ah bah non, mais c'est toi qui gagne. Ah merde. Attends, tu joues toi ou tu joues lui? Non, je joue moi. Ok, bah alors la vie de ma mère, je vais focus. Ah la foule que tu repars avec le titre, mais lui repart pas avec. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas envie. Parce qu'il a gagné là où Luke Jackson a perdu. C'est ça? Voilà. T'as envie que les gagnants du Chambers se fassent tous humilier à Mania, c'est ça? Je t'emmerde. T'es con, ouais. On en parle par contre que les deux gagnants du Chambers sont rentrés au même moment. Oui, troisième place, ouais. Bon, c'est pas que j'aime pas Kevin. On a eu la même en même temps. Allez, c'est parti. Match Elimination, hein, pour rappeler. Allez, éliminé en premier. T'es sûr? Mais pas. Olé! Olé! Oh! Olé! Golé! Oh la vache, il m'a fait un choc slam. Des enfers. Par what? Il s'est rien passé quoi. Juste qu'on s'est tous les deux fait défoncer par Calvin. D'accord. Oh le dive. Quoi, il dive pas Devon? Quoi? D'où il dive pas lui? Moi non plus je dive pas hein. Ouais mais t'as c'est normal. Allez hop. Oh le coup de genou. Il tombe pas. Merde. Ah bah d'accord. Lancer de poubelle était joli. Mais pourquoi ça me change oh, de cible quoi. Merde. Poubelle. Joli. Calvin il est protégé par le jeu là. Ouais bah Calvin de toute façon il suce le game. Et c'est bon là, je suis obligé de mettre 48 coups pour qu'il sorte sa prise là. Et on en parle qu'il prend 0 dégâts. C'est mon catcheur qui en fait 0 ou c'est lui qui en prend 0? Un peu des deux je pense. Ouais mais les deux reviennent pas au même mais attends, je vais essayer. Oh bah voilà. Le cul bouche. Dommage, mais tu dives pas toi. Tu l'as dit. Non. Attends, je te l'envoie. Attends, je vais lui mettre un spé. Il est joli le spé, hein. Un peu. Attends, je peux en profiter pour mettre le finish. Oh. Je sais pas ce que c'est. C'est nul à chier. La vache. 1, 2. Euh.
merci la TP. Je savais pas qu'on avait inventé la TP dans ce jeu là. Incroyable. Ok, la destroyer elle va faire mal celui-là. Ah non, c'est le. Non, c'est le. C'est la Jackknife. Ouais, la Jackknife Powerbomb. Celle de Diesel. Big Daddy Cool Diesel. Tu vas prendre le DLC qui va sortir dans quelques jours. J'ai déjà tous les DLC, les gars. J'ai la version premium full mes couilles. Putain, vous avez trop de fini. T'as trop de finish. Oh merde. J'ai réussi à le contrer là, sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'ai réussi à contrer un Superman Punch. Choc barre. C'est pas un Superman Punch. Ah bon? Non, c'est un Flying Forearm. Ah oui, d'accord. C'est pareil. Mais d'où c'est pas un finisher ce truc? D'où c'est pas un finisher? Ah, c'est parti à la soumission sans qu'elle met vacances! Allez, vas-y, soumets-le! Il va tellement nous insulter dans les commentaires en mode on a fait une alliance! Oh là là, j'ai été perturbé parce que ça m'a retourné alors que ça devait pas. Ah, elle est mieux celle-là. Putain, la vache, là, normalement, à peu près, je peux te péter la nuque. Hein. Oh, poil de cul. On finit bien la session. C'est la combien de fois qu'à chaque fois il y a un nouveau catcheur qui entre guillemets arrive et je gagne dans la dans son premier match entre guillemets important. Parce que Adam, Devon, quand ça en vaut coup. Lui c'est pas, c'est sa troisième session je crois. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, on l'a tellement laissé de côté. Deuxième ou troisième. Ah ouais la vache. Mais je suis content que ce soit lui qui gagne. No, Nora Jixenka. Après t'as contré deux fois mon finish hein. Ouais franchement j'ai été inspiré. Donc victoire de Bob et de Sué. Par contre je m'attendais pas à éliminer Jixenka sur mon finish. Ouais je pensais qu'il aurait été réussi un petit peu plus. Mais après c'est vrai que c'est quand même une soumission. Bon, et les soumissions c'est craqué. Ouais. On va s'arrêter pour cette session de Touquet 24 coop univers de la commu. Alors c'était pas la session la plus chargée en catch ni même en énergie, c'est vrai qu'on est. Bon, moi je suis un peu fatigué je vous avoue. Parce que j'étais malade toute la soirée et je suis parti. C'est pour ça qu'il a tout perdu. Bah en fait, premier degré j'étais malade toute la soirée et ce matin et je suis parti après chez ma mère, donc ça m'a encore plus crevé. Parce que c'est du sport, d'aller chez ma mère, je peux vous le dire, hein, pour la supporter, non je déconne. L'enfer. On se dit du coup à demain pour la suite aux aventures sur nos différents jeux. Avec Zone on se reverra la semaine prochaine. C'est ça, mais pas la semaine d'après. C'est ça. On se dit bonne soirée. C'était Zorek Boss. Ciao, ciao, bonsoir. Et à la prochaine. Tchuss. Ciao.